regardez-moi ça. Encore un Shoryu Saget qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken. Aïe 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 aïe. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Tortilla, allez fouetter qui a deux doigts de remporter ce match, de sortir un grand maître. La chape aérienne, ça touche. Le cross-up qui touche les 57, c'est inadmissible. Non, 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 non. Incroyable, Dragon Cancel avant un Shikiku Ultra. Je lâche mon cas, je me bats. Bonjour à tous et bienvenue dans le Coffre à Versus. Merci à tous d'être ici en cet après-midi de 17h à 19h. On va souffrir aujourd'hui avec au programme eh bien, les jeux de la Super Famicom que je n'ai pas encore exploré. Parce qu'en fait je voulais pas trop les explorer, je dois bien vous avouer. C'est l'horreur, donc comme vous entendez probablement, ou que vous n'entendez pas plutôt, je suis au zéro de vital vocal. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, tout va bien, tout est sous contrôle. J'ai mon médecin qui est avec moi, il est là pour vérifier que je n'en fasse pas trop. En effet, suite aux 4 jours de la Japan Expo, bon, j'ai laissé un tout petit peu la moitié de ma voix à Villepinte, mais de toute façon, eh bien, ça n'altérera pas, je pense, la qualité du stream. Aujourd'hui, nous allons jouer donc à des jeux Super Nintendo, Super Famicom 2 Versus, qui sont pour la plupart réputés pour être mauvais, voire très mauvais. Il y aura du multiplateforme. On va dire qu'on va prendre peut-être le meilleur des multiplateformes. Parce que, bon, quand un jeu est mauvais, mieux vaut prendre la meilleure version d'un jeu extrêmement mauvais que de prendre la pire version d'un jeu mauvais pour qu'il soit encore plus mauvais. Enfin, ouais, vous comprenez, à mon avis, totalement ce que je veux dire ici. Et pour commencer, nous allons jouer à Balls 3D. Et... son. Ce que vous venez d'entendre sont les sons de Ball Z 3D. Ça n'est absolument pas un montage vidéo, c'est le vrai jeu qui est vraiment sorti comme ça et qui a de vrais sons. Le jeu se veut être un jeu de combat en versus en 3D sur Super Nintendo avec des personnages qui sont symbolisés par eh bien, un amas de boules et comme vous voyez des glitches de partout. Oi, ah, oi, ah, oi. Ah, voilà, donc comme vous voyez, ça sent quand même très très bon, la chiasse en boîte. On va aller vérifier ce qu'il y a dans le menu options, histoire de voir si on peut pas faire en sorte que le... faire en sorte que le jeu soit un peu plus agréable. Je sais même pas ce que c'est l'hyper mode. On peut désactiver le crédit, donc on peut terminer le jeu en une touche. C'est très bien. Bon, on va être obligé de jouer à Balls 3D, hein. On va être obligé, alors je vais tenter de vous expliquer, hein. Oh mon dieu, Boomer est en train de faire la danse du ventre. Oh, c'est terrible. Yumi, Yumi. Rapide, ce son du mal. Breezer, alors j'ai un petit Breezer avec son petit boule bleu. Notez que Turbo est vraiment, vraiment en mode Oda. Ah, que Tsunami est un Sumotori symbolisé à la perfection, je pense que... vous pouvez pas mieux représenter un personnage que Yoko est visiblement un abruti qui se gratte le cul et la tête, sorte de Donkey Kong. Divine, le personnage féminin qui a des boobs, je pense, modélisés à la perfection. Regardez cette paire de boobs. Ah, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Une bande son made in Xavier Dang. Ah, c'est peut-être le chopper du jeu, lui, Crusher. Ça a l'air d'être un mec vénère, hein, quand même. Hein. Alors, moi, j'hésite entre Breezer, Tsunami ou Crusher. Hein. Mais faut dire que Divine, Divine, c'est quand même là. Hein. Divine, c'est quand même présent. Alors, rassurez-moi, vous avez quand même bien le son du jeu, parce que ce serait vraiment, vraiment dommage de ne pas profiter du son du jeu incroyable de ce jeu. On va essayer un petit Crusher. Et on va voir ce que ça va donner.
Oh mon dieu. Donc là, le jeu est parti. Hein. Visiblement, le jeu est parti. Donc je suis pareil. Donc vous voyez que les commentaires arrivent au fur et à mesure. Avec Y, je saute. Je donne un coup de pied avec X. Je saute avec B aussi. Oh là là, mon dieu. C'est horrible. Oh, c'est tellement dégueulasse. Attendez, je crois que je suis stun là. Je suis stun. Réagis. Réagis. Saute, mon gars. Saute, mon gars. Alors, il y a une espèce d'inertie sur les sauts. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire, si je suis en train de toucher. Où est la garde? Ok, ça, c'est une grosse attaque. Ok. Smell the mat. Sans ma bite. Suce mon pas de côté. Admire mes smarties. Et je viens de décéder. D'accord. Je n'ai absolument rien compris. Ce n'est que je me suis fait insulter par le jeu. De façon assez agressive. Ah, c'est en deux quand même. C'est en deux. On va se la jouer en deux. Voilà, je lui ai perdu un peu de vie là. Je sais pas trop comment, mais je lui ai perdu de la vie visiblement. Un. Voilà, encore, je viens de me faire tuer. Est-ce que je peux faire un truc baissé? Ouais, comme ça, en l'eau. Ah, c'est bon, c'est mon meilleur coup. J'ai pas gros point. Je pense que je peux tuer le jeu avec ça. Le truc, il se relève en. Il se relève salement. Chop! Non, mais c'est moi qui t'ai chopé. Non. C'est dégueulasse. Ah, relève-toi en bas, gros point. Relève-toi en bas, gros point. Ah! Ah, je sais pas s'il y a de la technique particulière dans le jeu, mais je pense qu'il n'y a rien à faire. Allez, encore une touche et c'est bon, je l'ai. Blablabla. Voilà. J'ai un bas gros point. J'ai un bas gros point. Vous voyez, alors il se l'a pété à la sortie de la PlayStation 4 avec Knack. Mais Knack, c'est de la merde en boîte comparé à ce jeu. Ils étaient déjà beaucoup plus loin que ça. Notez que si vous voulez jouer à la version ultime de ce... Mais t'es sérieux? Je m'enfuis. Ouais, en fait, mon perso, il... Mon perso... Oh, la patate que je viens de lui mettre, mon gars! Oh, la barre! Oh, comment il vient de s'en souvenir? Mets la garde. Enfuis-toi. Oh, je cours. Il y a des dashs. Alors, avec le pad analogique, avec le pad pas analogique du tout d'ailleurs, vous dirigez votre personnage tout au long de l'écran. C'est pour ça qu'ils ont rendu le saut sur un bouton. Je sais pas ce que t'essaies de me faire, mec, mais dégage. Tu peux pas me tester. 80% de vie la patate, j'ai rien compris. J'ai bougé comme ça, j'ai mis un bas gros point. Visiblement, c'était peut-être un counter hit dans les couilles. Du mal à savoir exactement où sont représentés les testicules, puisque le personnage est entièrement constitué de testicules. D'ailleurs, le jeu s'appelle Testicule, hein, lui-même, Balls. C'est testicule. Mais il y a des coups spéciaux dans le jeu, t'es... Mais il y a des coups spéciaux, je peux faire un Hadoken. Oh, mais c'est violent, en fait, le jeu. Le jeu, il prend vraiment en compte les manipulations. Par contre, je vais le choper, voilà. Chop, voilà, je viens de le balayer. On va en mettre un deuxième, un troisième. Voilà, il a pas compris ce qui va arriver. Maintenant, on va prendre une série de bas gros points. C'est garanti. Alors, j'ai le pied avec kick ici. Voilà, je mets des balai kick. Bas gros point, balai kick. Ah, il a pris une glissade. Mais arrête d'insulter les mamans. En derrière, il insulte tellement les mamans. Backdash. Allez, envoie-lui une boule. Boum. Ah, il a tellement esquivé sur le côté. Fait des step-u. C'est bon, mon crusher arrive. Crusher. Brrrah. Voilà, mon gars. Dodo. J'ai t'envoyé une boule. Je sais comment faire les boules maintenant. Non, boule, fais caravant. Arrête d'être ridicule. Ah, ça veut jouer tout en footsies. C'est bon, je l'ai eu, t'es mort. Oh, c'est insupportable. Oh, c'est dur, hein. C'est dur, mais ça vaut quelques jeux indés d'aujourd'hui, vous savez. Hein. Ça le vaut. Ah, le jeu est assez malsain. Mais t'es sérieux? Tu m'as rushé. C'est quoi ça? C'est une prise OTG? Non, c'est moi. Bam, dans ton cul. Voilà, et à la relever, c'est moi qui te bourre. Laisse-moi refaire le 100%. Voilà. Je vais me balader. Oh, il m'a pris dans sa tornade. Oh, la barre. Je te contre? Non. Comment je peux taper ça? Dos. Ah, je comprends pas. Il y a le L et le R qui font exactement les mêmes coups. Il y a vraiment coup de poing, coup de pied, saut hein, dans le jeu. C'est uniquement tout ce qu'il y a. Non mais fous-moi la paix. Et il y a un nuancier de saut en fonction du temps que tu appuies sur le bouton. Mais là, c'est impossible. Je suis tellement dans la mélasse de la merde. Tiens. Encore. Ouais, je lui ai mis quasiment un point de vie là.
Il va forcément venir vers moi. Voilà, je me suis décalé tout seul, je sais pas comment je fais. Je vais aller vers l'avant. Et là j'arrive. Ah, j'ai voulu le tuer en foot 6. Oh oui, oui, son gros point, ma gros point. Zéro poula. Puis cette OST que je vais m'en aller télécharger dès la fin de cet épisode, je pense. Ok, ok, lui il recolle 0, hein. C'est Yoko. C'est Yoko. Ah, Yoko, un personnage rapide. C'est le singe un peu. Un monkinisateur. Mais Yoko, je vais lui mettre quelques coups de pied, il va pas comprendre ce qui lui arrive. Non, non, Yoko, 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 bouge-toi, Yoko. Vous avez vu mon saut gros pied là? Attendez, je vais vous montrer. Oh, je me suis fait toucher, je me suis fait toucher. Bouge-toi. Saut gros pied. Bon, là, visiblement, dès que mon personnage brille en blanc. Mais t'es. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est la griffe. Il s'est accréché au mur. Suck sidewalk. Oh, that's gonna hurt. Kiss the canvas. Open wide for Shanky. Administrateur Becksucker. Mais c'est horrible. Les mecs, ils sont vraiment même pas polis. Un, un. Boule. Boule. Ah, je lui envoie une boule. Je lui envoie une boule. Je lui envoie une boule. 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 Non. Je recule et le Pokémon avance. Recule, recule, recule. Pokémon, voilà. Recule, recule, recule. Ah, 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 ah. Et là, je lui fais boule. Et là, il comprend pas. Et là, il comprend pas. Carrément. Car arrière-pied, car avant-pied. J'ai changé de perso. J'ai changé de perso, j'ai changé de perso. Comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça? Je ne sais pas comment j'ai fait pour changer de perso. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, visiblement j'ai choisi Shang Tsung sans m'en rendre compte. Je ne sais pas. Je ne sais pas, hein. Je n'ai jamais su. Je n'ai jamais su comment j'ai changé de perso. Alors regarde, Louis, ceci est un jeu qui s'appelle Balls, donc testicules en français, et qui est un jeu de combat avec des personnages constitués de testicules. Que penses-tu du bon goût de ce jeu? T'es sérieux? Ah oui, oui, ce sont bien des testicules si tu regardes bien de près. Tu sais à quoi ressemble une testicule, Louise? Attends, il m'attaque! Alors je ne sais pas comment j'ai fait pour changer de personnage juste avant, mais je vais essayer de refaire. Pour le plaisir du coffre à versus, parce que le coffre à versus c'est aussi du beau jeu. Je vais m'en aller, regardez. Je vais m'en aller, je vais m'en aller, et là... Oh, je sais pas pourquoi j'ai été groggy, c'est comme si j'ai été peau. Voilà, là j'avais fait un espèce de carreau. Regardez, il y a Men in Black derrière, ça veut rien dire. Mais descends de ton arbre à singe, toi, espèce de... Je sais pas quoi, je sais même pas quoi te dire. Je sais même pas quoi te dire. Voilà, Louise qui ne joue pas beaucoup aux jeux vidéo a maintenant une très mauvaise image de ce qu'est le jeu vidéo. Évidemment, dangereux pour les enfants, abrutissant au possible. Et encore, Louise n'a pas les sons, à mon avis elle serait choquée si elle avait l'OST de ce jeu. Le son, ça fait ah et pff, quand tu tapes, c'est n'importe quoi. Ils sont tellement partis loin, les mecs qui ont développé ce jeu-là, je crois. En tout cas, moi, je ne comprends pas trop ce que je fais. Non, non, me chope pas. Voilà, j'ai réussi à déchoper. Et en plus, j'ai envoyé une boule derrière. Parfait. Testicule, testicule. 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 Je l'ai presque, je l'ai presque. Ça fait. Et j'ai gagné. Et là, quand t'as gagné, tu rebondis sur tes fesses et tu fais comme ça. Louise est choquée. Louise est vraiment choquée. Je suis choqué, hein, moi aussi, je dois bien vous avouer. C'est très mauvais. Sur l'échelle du mauvais. Déjà le mauvais goût est total. Ah mais c'est un nouveau perso, ça, une autruche à débloquer. Elle plante sa tête dans le sol. Brrrah. Mais je peux pas la taper. Pourquoi je peux pas la taper? Smell the mat, qu'est-ce que ça veut dire the mat? C'est pas renifle mon cul? Oh mon dieu, ça fait mal. Mais quelle est cette autruche? Quel est le but de sa vie? D'accord, ok. Mais madame, foutez-moi la paix! Mais s'il vous plaît, madame! Non! Bah ça y est, je viens de comprendre. Non, je comprends pas en fait, je croyais que je viens de comprendre, je viens de comprendre. On va s'en aller, hein. On va s'en aller. Non, foutez-moi la paix. Je suis poursuivi par une autruche magnifique démoniaque. Je ne veux pas! Une autruche en testicule me poursuit! Au secours! Voilà, envoie un projectile. Fais quelque chose, je t'en supplie. Bas avant. Bas avant. Fais quelque chose, je t'en supplie. Rends-toi utile. Change de perso. 2 boutons, 3 boutons, 4 boutons. Ok, bon, bah elle est planquée, je vais aller la choper. Ah, mais elle récupère sa vie quand elle fait ça! Mais c'est horrible! Mais le personnage récupère sa vie! Oh non, non, bah d'accord, je pouvais pas m'enfuir en fait. Fallait que je la rush. Ah, oh, ça fait mal! Oh, mais elle m'a OTG! Je vais pas me faire tuer par une autruche quand même, ça voudrait rien dire.
Oh, mais s'il vous plaît, mais respectez-moi. Chante. Ça fait un sale bruit. Non, mais casse-toi, l'autruche. Casse-toi. Oh, elle me fait tellement moukoubiniser. Ah, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça sent la destruction massive. Je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort. Il me reste encore quelques bas gros points à discerner. Non. Je viens de me faire tuer par une autruche. Elle récupère sa vie, l'autruche, en plantant sa tête dans le sol. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça sera mon dernier combat. Mais je ne peux pas me faire tuer par une autruche. Mais donne un coup, toi! Pourquoi je peux plus donner de coups, là? Je peux plus te donner que des coups de pied ridicules. Oh là là, puis je me fais choper à tous les coups, hein. Y a pas de mind game, hein. Oh, j'ai tellement mal. Mais va essayer de comprendre quelque chose à ce jeu. Oh là 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 là. Mais elle récupère sa vie. Mais récupère pas ta vie, Nalshetan. Viens ici. Pourquoi il y a les Men in Black avec des peaux derrière? Je comprends pas, je ne comprends pas ce jeu. Ce jeu m'échappe complètement. Je ne sais pas, ils ont voulu probablement créer le jeu de combat du futur. Mais c'est injouable. Mais hey, l'autruche me tape dès que je me relève. T'es pas sérieuse. On va s'en aller, on va s'en aller, on va être courageux. On va essayer d'être courageux. Ah, je pense que je vais prendre 100-0 par l'autruche. Je vais prendre 100-0 par l'autruche. Oh, ça fait mal. Mais je vous jure que je ne peux rien faire, hein. C'est horrible, les bruitages de ce jeu sont affreux. Tout est dégueulasse, tout donne envie de vomir. Allez, tue-moi. Tue-moi qu'on en finisse, autruche. Je me suis fait tuer par une autruche. Une autruche en boule. Pour aller me déguaquer, je vais aller regarder la... Ouah, je suis encore en vie. Non, mais s'il vous plaît. Non, mais maintenant, faut partir, monsieur. Maintenant, faut partir, monsieur. Alors, attendez, je vais reset parce que... Je vais reset. Parce qu'il faut quand même que je montre à Louise comment on modélise des boobs dans des jeux comme ça. C'est très important. Regarde bien. Donc, si jamais tu as envie de développer du jeu vidéo, Louise, déjà, ne fais pas Bolzy. J'ai pas inventé, hein, Bolzy. En trois dimensions, hein. S'il vous plaît, alors, attends, je crois... Ah, mais les sons, c'est affreux. Non, juste écoute. Écoute, juste écoute et savoure. Savoure, tu vas être choqué. Non, tu vas être choqué. Franchement, tu vas être choqué. Et voilà, et donc ça c'est le personnage féminin. Donc comme tu vois, bah ils ont mis des testicules à la place de ses boobs. On peut le voir quand même, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est ballsy. Bah moi j'ai honte, hein, mais si tu veux, c'est pour la culture du jeu vidéo que je fais quand même cette émission. Et afin de sauvegarder quelques pans de notre histoire vidéoludique, je me devais absolument de montrer aux gens cette chose. En tout cas, Louise est outrée et je suis outré avec elle. C'était Bolzy, on va passer à autre chose parce que je vous assure que je pense que mon intégrité intellectuelle ne va pas s'en sortir. Mais je vous rassure tout de suite... On ne jouera pas à un jeu mieux, car je vous ai promis de la merde absolue et totale. Samy, aujourd'hui, Sega Samy, hein, ceux qui ont mis en place l'Atomis Wave, Battle Blaze. Alors comme ça, peut-être ce jeu ne vous dit absolument rien, mais c'était un des tout premiers de jeux de Samy américain. C'est-à-dire qu'ils ont laissé les Américains faire un jeu de combat, et du coup, on peut jouer soit en solo, soit en multi, bon... On va prendre The Hero, évidemment, pour faire le mode histoire dont personne n'a rien à carrer. Mais pour vous montrer... Allô? 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 Ok. 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 Oh là! D'accord, ok. Donc ça, ça doit être la sélection du personnage. Donc j'ai le choix entre l'orque pourri, l'elfe maléfique, la guerrière et le chevalier. Moi je joue la guerrière en hommage à Louise, elle ressemble un peu à Louise d'ailleurs, je vais la sélectionner. C'est parti. Voilà, donc je suis avec Louise Rébeillard et je vais affronter donc mes pires ennemis, comme vous pouvez le voir, Kerel 3, qui est donc l'ancêtre de Mister MV. C'est parti, alors comment ça joue? Non, non d'accord, en fait je suis le héros, j'affronte Louise, hein, je joue Mister MV, hein, c'est terrible, c'est terrible. Avec le bouton... Ah, avec le bouton Y, j'appuie sur... Et ça ne fait rien. Mon dieu, mais comment agir? Comment faire des coups? Voilà, c'est bon, j'ai trouvé un coup. Il n'y a qu'un seul bouton. Ok, un bouton pour sauter, c'est le bouton A. Le bouton A saute, le bouton Y donne des coups. Avec LR, je n'ai rien, la garde c'est arrière. Et du coup, le jeu... Bah, le jeu est super limité. Ok, d'accord, il y a juste saut et attaque et coups. Bah, on va s'emmerder. Mais donnez-moi des autres attaques, donnez-moi des autres coups. Louise a une glissade, hein, cela dit, hein. Louise glisse beaucoup, hein.
Il y a de l'eau, c'est son point faible. Je vais jeter Louise dans l'eau, elle sait pas nager. Je vais la jeter dans l'eau, laissez-moi aller jeter Louise dans l'eau. Bon, je sais bien qu'on tape pas sur les femmes, mais là, il y a un moment, je crois que j'ai vu un cross-up. Elle m'a chopé. Foutez-moi la paix, Louise. Envoie des boules, fais quelque chose, mon gars. Je vous jure, il n'y a qu'un seul bouton d'attaque, c'est horrible, j'ai qu'un seul bouton. Je me fais tellement harceler. C'est l'infini. Je peux rien faire. Je vous jure que je ne peux rien faire. À partir du moment où elle glisse, je ne peux rien faire. C'est impossible. Ok, j'ai perdu mon premier combat, mais je n'ai pas perdu la guerre. Maintenant que j'ai compris comment jouer, je peux y arriver. Ah, ok. Donc j'ai saut avec B. Je vais me mettre dans le coin. Mais arrête avec les glissades, c'est trop puissant. Les coups mettent un temps infini à sortir. C'est un scandale. Je vous assure que c'est scandaleux. Et elle a des coups spéciaux là. Mais c'est violent. Je vous jure que le block stun est infini. Ah, ça y est, j'ai réussi à choper. J'ai chopé Louise. Encore quelques chopes. Je la pousse dans l'eau. Non mais s'il vous plaît madame, laissez Mister MV tranquille. L'ancêtre de Mister MV. MV de Cro-Magnon. Ah, j'ai réussi à faire une autre attaque. Je crois que si je change les directions, j'ai des attaques différentes. Non, en fait non. En fait non, il n'y a vraiment qu'une seule attaque. C'est vraiment un jeu complètement pourri. Ah, c'est injouable. Ah, j'ai réussi encore à choper Louise dans l'eau, Pousse-la dans l'eau, je te dis. Ah, j'ai le pire perso de l'histoire. Je crois que Louise est gothière dans cette mouture. Ah, il n'y a pas eu un rééquilibrage de Battle Blaze. Mais il y a des gens qui ont assez cheveux, vraiment. Je vous jure, il y a vraiment des gens qui ont assez cheveux. Chope Louise. Je peux pas choper Louise, il faut que je recule. Mister MV n'a aucune chance. Je saute par-dessus la boule. Coup, donne un coup. Ah oui, mais quand je suis en garde, en fait, je peux pas donner coup. Chope, voilà, parfait. Je pense que c'est ma meilleure attaque. Gros point. Non, c'est moi qui me suis fait choper. Je suis mort. Je suis mort. Oh là 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 là. Louise est beaucoup trop forte. C'est pas grave, je me relève et je vais quand même réussir à faire... Mais je crois que je viens de comprendre le système de jeu. Il faut que je touche à aucun bouton sans les mains pour donner une attaque. Voilà, là je donne un coup, mais la glissade est prioritaire. Saute. Ah, je crois que le saut est vraiment l'attaque ultime. Voilà, dans ce jeu, plus le jeu est débile, plus il faut faire des choses débiles pour gagner. Voilà, c'est bon. Débile. Je vais faire que des trucs débiles. Je vais faire les sauts verticaux. Et je vais prier pour que ça puisse toucher. Voilà, je la touche, ensuite chope. Je la touche et je la chope. Parfait, encore une fois touché. Non, je vais pas sauter en avant. Ah, j'ai fait une attaque, ok, j'ai une balayette. J'ai trouvé une balayette avec bas plus saut chez balayette. On sait pas pourquoi. Fais la balayette, voilà. Ok, ça sert à rien. Mais au moins, ça avait le mérite d'être sympa à essayer. En mythi plus chope. Voilà, Louise est maintenant gratuite. Regardez encore. Encore chope. Oh là 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 là. Ah non, faut pas que je me remette dans le coin, c'est terrible. Non, faut pas que je me remette dans le coin, c'est terrible. Non, laisse-moi sauter, Louise, s'il te plaît. Voilà. Oui. Et voilà, c'est terminé. J'ai enfin réussi à battre Louise Rébéard. Mister MV est maintenant opérationnel. Alors, ce jeu est profondément débile. En toute débilité, comme ils ont mis la balayette sur le même bouton que le saut. Mais il y a un deuxième round. Oh là là, mais non, j'avais gagné, elle peut pas ressusciter. Mais c'est interdit de ressusciter, j'avais gagné. Oh là là, elle m'a vidé moitié de ma barre en moins de temps qu'il faut pour le dire. Chope. Mais tu vas choper un moment ou un autre, Louise. Bon sang. Non mais c'est pas possible. Encore. Ici. Voilà, balayette elle a relevé là comme ça, voilà. Je suis invincible. Je suis sûr que c'est la meilleure attaque. C'est la meilleure attaque du monde, voilà. Voilà, impeccable. Oh, elle a réussi à choper, recover ma balayette. C'est pas possible. Oh non. La barre de vie, mon gars. C'est violent. C'est juste violent. Oh la guerrière. Alors attention, hein. Je réapplique les plans de jeu. Second point, chope. J'arrive pas à la choper maintenant. Louise est devenue inchopable. Elle met la garde sur tout. Oh là là là, mais s'il vous plaît, mademoiselle. Respectez un tout petit peu le streamer.
À un moment, il faut que le streamer ait un peu de crédibilité, voilà. Bon, par contre, je veux pas aller là. Setup d'Alioun. Voilà, encore. C'est bon, c'est bon. Louise n'a aucune chance. Setup d'Alioun. Encore. Non, hein, par contre, faut me laisser sauter, madame. Madame, voilà. Encore une fois, chopé. Non, c'est bon. Louise. Louise est à moi. J'ai tout compris. J'ai tout compris à Louise. Ah non. Voilà, bonne balayette. Mais c'est elle qui me glisse maintenant. Ce gros point. Ce gros point. Ce gros point. J'ai récupéré le chapeau du cadavre de Louise. Il est là. Et je passe le premier niveau. C'était dur, hein. C'était dur. M'a piqué mon Iggy. Il est mignon quand même. Tu peux pas dire qu'il est pas mignon. Qu'est-ce que t'as contre les chiens, Louise? Comment on peut ne pas aimer les chiens? Ils sont tellement adorables. Ah, puis je me suis fait beaucoup de points sur Louise, hein, là, avec... Elle m'a pas beaucoup touché ce coup-ci. C'est très très bon. Je suis sûr que le prochain adversaire, c'est Frédéric Lu. J'en suis persuadé. Voilà, donc ça, je me suis approprié son village. Impeccable. J'ai plus qu'à appuyer sur Select, faut quand même trouver. Ah, le beau gosse, là, c'est Frédéric Lu. Obligé. Je vais aller affronter Frédéric Lu. C'est parti. Alors, on va aller voir ce que Frédéric Lu possède. Mais de toute façon, il y a que deux attaques dans le jeu. Vous avez une balayette, un coup et un coup sauté. Donc, ça fait trois en tout. C'est très limité. Oh, Frédéric Lu a une très, très grosse arme. Oh, 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 oh. Oh, mais non, mais non, mais c'est de la triche, limite, là. Vous avez vu la taille de cet engin? Oh! Puis, il fait mal avec, hein. Oh, la résurrection du cyberfourreur. Ça devient très difficile, hein. Ça devient extrêmement... Oh, mais c'est imbloquable. C'est imbloquable, d'accord. Ok, ok, lui, il a un coup spécial. Il a une dev kick, on sait pas pourquoi. Chop, voilà. Ah, par contre, il est très vulnérable au chop, visiblement. Ah, c'est lui qui m'a chopé. Moi, je suis moins vulnérable au chop, mais qu'est-ce que ça fait mal à son attaque. Ok, chop. Ok, c'est bon, j'ai empêché de sauter. Battle Blaze est à moi. Ok, sa boule passe de l'autre côté. Ça fait très mal. On ne rate pas l'Okizem. Non. Ah, par contre, le timing de chop, c'est quand même quelque chose, hein, dans le jeu. Oh là là, je vais tellement me faire défoncer par Frédéric Lu. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est affreux. C'est véritablement affreux. Frédéric Lu a définitivement une plus grande arme que la mienne. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire avec ma demi-molle. Attaquons comme on pouvons. Défendons-nous. Vous aussi sur le stream, hein. Si vous avez été opprimé par ceux qui en avaient une plus grande que vous, eh bien, vengez-vous sur Battle Blaze. Frédéric Lu, qui vous a piqué toutes les meufs sur cyberforum.com, doit être vengé un jour. Voilà, au corps à corps, son arme ne lui sert à rien du tout. Voilà, au corps à corps encore. C'est bon, j'ai compris. J'ai tout compris, j'ai un setup. Le jeu lag, hein. Je tiens à préciser que... Non, je l'ai chopé, parfait. Encore une fois, Frédéric Lu n'a plus aucune chance. Ah, oh là là, mais c'est passionnant de faire tout le temps la même chose. Je vais le balayer un coup pour changer. Voilà, c'est bon, bah il a pas de garde. Il a pas de garde. Oh, par contre, c'est des gros problèmes de Frédéric Lu, hein, depuis tout temps. C'est qu'il a, il a pas beaucoup la garde. Encore balayette, balayette, balaye, balaye, saute. Alors, j'ai voulu varier, maintenant je vais m'en mordre les doigts. À mon avis, je vais m'en mordre les doigts. J'aurais jamais dû varier, j'aurais jamais dû varier, j'aurais jamais dû varier, j'aurais jamais dû varier. J'aurais dû continuer à faire la même chose comme un mongolito, comme le mongol que je suis. Voilà, chopé. Frédéric Lu est à terre. Une balayette pour l'assassiner. Une balayette pour l'assassiner. Hurrah. C'est bon. Je l'ai eu à distance. À distance impossible. C'est Battle Shop. Bah, la shop reste le coup le plus puissant du jeu. Il y a trois coups et ces trois coups sont complètement pourris. Donc oui, en effet, la shop reste le coup le plus puissant du jeu. Par contre, je suis désolé, mais Frédéric Lu est un peu God tier, hein, dans cette catégorie. Cela dit, il y a un partout. Round décisif. Si j'arrive à ganker le Nexus en moins de temps qu'il faut, je peux carry la game. Voilà, chop. Non, c'est bon, il a été touché. Ah, par contre, ça, cette entière me fait mal. Chop, bien sûr. Allez, voilà, maintenant que je l'ai chopé, normalement, je lui fais les setups d'Alioun. Et c'est bon. Hop, suite décalage. Voilà, ouais, il peut pas attaquer, il a une trop grosse arme. C'est le problème quand c'est trop gros. C'est qu'à un moment, une fois que vous avez un corps à corps, et que, eh bien, tout est trop étroit pour vous, vous ne pouvez absolument pas arriver à vous faufiler dans l'attaque adverse. Voilà, du corps à corps comme ça. Ah, à quoi ça sert ton gros engin, là, Frédéric Lu, hein. Ça sert à rien du tout. À rien du tout. Là. Vous avez dit, l'important, c'est pas la taille, c'est ce qu'on en fait. Et voici encore mon Mister MV qui progresse.
J'ai mal à la gorge, c'est horrible, c'est vraiment affreux. Je vais appuyer sur Select, je vais voler son âme en fait, c'est comme dans Highlander, d'accord. Je récupère les âmes je récupère les âmes de mes défunts adversaires. Je m'en fous des points, je m'en fous. Je m'en fous, je veux jouer. Voilà, j'ai récupéré 3 500 millions de points. Vive les patates. Ok, bon, maintenant le truc c'est que j'ai peur, c'est que je risque d'affronter Frédérico. Ah ouais, Frédérico, hein. Frédérico, il est pas gentil, hein. Ah, c'est Frédérico en colère, hein. Gustave, hein, c'est son surnom, si vous avez connu Frédérico à l'époque. J'ai des photos dossiers d'ailleurs de Frédérico jeune. Ah oui, c'est bien Frédérico, il n'y a pas de doute, c'est lui. Il a les mêmes attaques, il a tout. Il s'habille presque pareil quelque part, hein, quand tu regardes bien. Ah, par contre, il est très très fort, hein. Offensif. Très offensif. Et lui, par contre, il joue du gourdin. Alors le gourdin, c'est une arme évidemment assez puissante. Surtout, oh là là, il est inchoppable, hein. Mais il a un coup spécial, mais je veux ça moi. Frédérico, Frédérico. Mais c'est intestable ça, je peux pas faire mon setup. Hop, il a une garde, il a une garde gigantesque. Non, chop, voilà, je peux le choper là-dessus. On va essayer de faire un setup un peu plus tôt. Voilà, comme ça, re-chop, parfait. Re-setup un peu plus tôt, voilà, re-chop. Impeccable, c'est bon, je l'ai. Setup un peu plus tôt, re-chop. Oh là 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 là, Frédérico ne sait plus où est le nord, où est le sud. Re-chop, pauvre Frédérico. Il avait une botte, il a un anti-air et il a des coups spéciaux, Frédérico. Donc il est quand même super fort. Mais le gourdin, le gourdin, c'est une arme difficile à manier. Mister MV reste encore numéro 1. Remarque, j'ai bien envie de le faire crever vu ce qu'il a fait subir à mon cycliste dans le Tour de France ce matin. Je suis trop gentil avec lui, j'essaie quand même de gagner. Non, ça, ça passe pas, jamais de la vie. Non, jamais de la vie. Oh, tu sais qui je suis? Je suis un guerrier, j'ai battu Adèle Louise et Frédéric Lu. C'est pas avec ton gourdin que tu vas me faire quelque chose. S'il vous plaît, monsieur, monsieur, maintenant faut arrêter, monsieur. Il m'a tellement, tant que je le mets pas dans le setup, tant que je l'ai pas mis dans le setup, il me met tellement cher. Oh, voilà, ça y est, setup d'Alioun. Chop, chop. Oh là, ça fait mal, mon gars. Balayette, balayette, la garde. Oh là 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 là. Le saut est sur le même bouton que la balayette, donc forcément. Allez, c'est bon, je l'ai. Non, faut sauter pas en avant. Moi, bah, je suis mort. Adieu. Sauf si j'arrive à le choper là en décalant. Mais à mon avis, il me laissera jamais. Si, je l'ai chopé. Attention, le comeback. Non, j'ai sauté en avant, je suis un sac. Oh là 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 là. C'est quoi cette tolérance à l'input débile? J'appuie sur avant, je relâche. Et le truc, il continue d'avancer. Ça veut rien dire du tout. Oh, Frédérico était pas content sur ce deuxième round, mais c'est une technique, hein, de perdre le deuxième round. Je saute. Ah, chope à la relevée. Chope, chope-le, chope-le, chope-le. Tu peux le choper dans sa balayette. Il va encore me mettre son attaque. Voilà, ça, à mon avis, il y a beaucoup de frames de recover. Je peux lui faire quelque chose. Ah, j'en ai mis beaucoup. Bon, bah, par contre, il a son entière, là. Mais t'es sérieux avec ton machin, là? Allez, oh, calme-toi, mais détends-toi. Allez, faut juste te détendre, mec, hein. Ah, laisse-moi le choper, laisse-moi juste le choper une fois. Et on va voir qui c'est le patron. Voilà. Allez, c'est bon. Les setups d'Alioun sont là. Je suis intestable. Oh là là, mais le tic trop, le meilleur du jeu, hein. Il comprend pas. Oh, par contre là, il s'est sorti de là. Il a pris un hit, mais c'était sans compter sur la chope à la relève. Je dis, les jeux débiles et faits à la pisse comme ça, le meilleur moyen de tous les baiser, c'est de jouer comme un mongol. Et si vous trouvez la bonne strat de mongol, eh bien, vous avez toujours raison dans ce genre de jeu. Bon, après, il reste le boss de fin, hein, je dois bien vous avouer. Grégory Hoguel, ça va être extrêmement difficile. Il est sévèrement accroché à son titre de champion. Et je pense que le battre risque d'être compliqué. Il est le seul, hein, le voici. Il a l'air méchant comme ça, mais je vous assure qu'il est adorable en vrai, hein. C'est parti, alors voyons voir quels arguments possède Grégory Hoguel, le schnoozer. Kerel, deuxième du nom, alias l'ancêtre de Mister MV. Ah oui, d'accord, ok, c'est un homme bête. Je m'en doutais bien que les soirs de pleine lune, Grégory Hoguel devenait quelqu'un de sinistre et mauvais. Bon, par contre, il a pas l'air d'avoir d'allonge. Ça a pas l'air d'être le god tier du jeu, hein. Oh là là, il a l'air d'être particulièrement mauvais. Ah, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est pas bon du tout pour lui. Oh, le pauvre Grégory Hoguel. Ah, ça y est, voilà. Par contre, il fait des éclairs et de la foudre. Mais s'il se bat uniquement avec des coups normaux, il a aucune chance de battre mon Swordmaster. Ah bah oui, bah il est encore chopé. Non, le pauvre snoozer, à mon avis, va mordre la poussière. Et je sens que le boss de fin risque d'être Cédric Page. Et que ça va très très mal se terminer.
Encore nos aventures. Mister MV à Webedia, il doit battre tous les démons. Moi, je l'ai tué. Je l'ai tué trop facile. Il a pas d'allonge. Il est là. C'est un vieux galon du pauvre, exactement. Il est un peu mou du genou. Mais faut dire qu'il travaille tellement aussi, Grégory Ogel, qu'il arrive dans le jeu et après, il est crevé. Et il vaut plus une cacahuète. D'où l'importance de se reposer et de prendre des vacances. Pour ton setup tourné en mantip de 2X et de 3.3, quel ROM et quel speed faut-il choisir? Le setup 2X, vous prenez les ROM classiques hein, de 2X. Hein. 3.3, il faut trouver la ROM no CD. La vitesse de 3.3, tu peux pas la changer. La vitesse de 2X, si tu as pris la version japonaise, faut régler Turbo 3. Si tu as pris la version américaine, faut régler Turbo 2, il me semble. Ça fait mal! Non, Grégory, s'il vous plaît. C'est, ah, ça, c'est imbloquable, hein, je vous jure. Oh, il a des boules de feu, mais j'aimerais tellement avoir ça, moi. Mais donnez-moi, alors je vais essayer. Est-ce que j'ai un caravan? Non, j'ai pas, je vais même pas chercher les coups spéciaux. Pourquoi chercher les coups spéciaux? Moi, je voulais juste briller. Tiens, 48 heures de stream non-stop. Tiens, la KQ top 3 en public. Tiens. Allez, Grégory Ogel est à terre. Il n'a malheureusement plus d'arguments. Il est en train de se faire zoner au vieux coup d'épée. Oui. Oula, échoppe-le. Et voici, abat les grands de ce monde, abat la tyrannie. Mister MV est sorti vainqueur et s'en va streamer sur Dailymotion. Alors, est-ce qu'il y a quand même quelque chose là après? Parce que, attention, hein, normalement, j'ai battu les 4 héros des régions dissidentes. Normalement, il y a un boss de fin. Oh, laissez-moi voir ça. Eh oui, il y a un boss de fin. Alors, c'est quoi? According to the masterful way in battle, I give unto Tizi ultimate power. D'accord, ok, vas-y, donne-moi. D'accord, j'ai le bouclier, parfait. Je ne sais pas comment l'utiliser, mais je l'ai. C'est très bien. Et qu'est-ce que j'en fais? Ok. Select. Hola. 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 Ok. J'ai... Je vais dans le monde magnifique. Et j'affronte Ortak. Et j'ai un bouclier, hein, ça c'est bien de savoir. Ortak qui semble être le boss de fin. Voici Cédric Page. Oh là, il a pas l'air bien. Ouh, il a pas l'air bien du tout, hein. Il a pas l'air commode. Oh, il y a des éclairs. Généralement, quand il y a des éclairs, oh, il fait des boules de feu. Oh là là, oh là oh, non. T'es sérieux, il m'a fait quart de barre. T'es pas sérieux, le jeu. Ouais, est-ce qu'il est mongolisable? Il est mongolisable. Oh, si Cédric Page est mongolisable, lui aussi, ça va être trop facile. Non! Encore? Mais c'est quoi ce boss de fin à la piste des bois là? Chop! Mais c'est pas possible! Mais défends-toi, Cédric! Ton poste! Webedia! La chance de ta vie! Non! Oh là là, il est mongolisable! Eh ben, mesdames et messieurs, je sens qu'on va voir la fin de ce game. Même si je pense que personne n'en a rien à foutre de la fin de ce jeu. J'aurais réussi à meubler 40 minutes avec du vent! Chope-moi, Cédric Page! Chope le MV! Oui! Allez, première round de prix. Et je suis bien. Même Iggy est d'accord. Regardez, Cédric est à terre. Est-ce qu'il a encore assez d'énergie pour se relever? Ça décompte les points. Quand ça décompte les points, il n'y a peut-être pas un round suivant. Round d'après? La fin? Non! Il a ressuscité, il a vendu Millennium et il s'est recavé. Le voici. Battle final. Ah, par contre, faut absolument pas qu'il me chope. Hein. La moindre chope de Cédric Page retire la moitié de la barre. Hein. Faut le savoir. Hein. Oh, la barre qui fait le monstre. Voilà. Allez, c'est bon. Setup d'Alioun. Impeccable. C'est bon. J'ai tout compris. Ce jeu, j'ai tout compris comment faire. Comment le terminer. Next. On va pouvoir faire un Astropole, je pense. Le raffle. Voilà. Je vais débloquer tous les succès. Est-ce qu'il est sur Retro Achievement? Je ne sais pas. Oh, mais c'est pas possible, il va pas continuer à prendre tout. J'aimerais bien utiliser le shield. Là, j'ai essayé d'utiliser le shield. Non. Comment on utilise le shield? Comment on utilise le shield? Ok, bon, je n'arrive pas à utiliser le shield, du coup, je vais recontinuer. J'ai fait un coup spécial, mais j'ai pris une shop mid-bar. Non. Il m'a donné des coups de queue. Cédric Page m'a donné des coups de queue. Mais il s'est fait démolir.
c'est saut plus Y vers le et saut plus Y vers le haut. D'accord, il y a saut plus Y vers le haut et saut plus Y vers le bas. Merci à Je suis un hipster qui eh bien, possède GameFAQs, mais je pense que je suis sorti vainqueur. Oh, regardez cette musculature, je vous jure, hein. Bon, ça sera peut-être un peu plus vrai après le Tour de France, mais en gros, vous mettez Mister MV torse nu, ça donne à peu près pareil. Quel homme incroyable. Regardez, je viens de planter Cédric Page. Alors évidemment, ceci est une fiction, toute ressemblance avec des persos existants de la vie réelle ne serait, eh bien, que fortuite. Le démon a été banni, le père de Kerel a été vengé, et quatre guerriers, donc Louise, Fred et Greg, sont malheureusement retournés dans le Valhalla. La paix est retournée parce que tu menaçais la paix dans le royaume, Louise. Et je pars avec mon épée en tant que vainqueur héros. Voilà, on pourra dire que je me suis quand même farci Battle Blaze. Samy Améric qui a voulu faire un jeu de combat, mais qui visiblement a juste fait... je sais pas ce qu'ils ont fait. Globalement, le jeu... le jeu, il est encore plus basique que basique. Sorti en 1993, passé après des Street Fighter 2, des trucs comme ça, et sortir ça... c'est juste rigoler un grand coup sur la gueule de ceux qui l'ont acheté. J'espère que personne n'a payé 690 francs à l'époque pour se procurer ce jeu, parce que c'est sincèrement une véritable honte. Mais au moins, eh bien, je vais pouvoir l'ajouter dans la liste des jeux présentés dans ce Coffre Versus. Tenez-vous bien, car juste après la pub, eh bien, nous jouerons à Clay Fighter 2. Vous avez vu le 1 durant Console Mania, Clay Fighter 2 arrive, et Death Braid, et j'ai peur, j'ai sincèrement très très peur. On rendra hommage évidemment à Frédéric Go. Magnifique hein, quand même. Oh, puis il brille. Ah, Louise, t'as vu, en bretelle aussi, hein, pareil, hein, la même. Elle est magnifique, superbe. Quelle guerrière. C'est la seule qui a réussi à me tuer une fois d'ailleurs, hein. Ouais, avec des petits sauts. Ah, cette chope. Rassure-moi, tu plantes pas les hommes comme ça quand même. J'ai de plus en plus peur. J'ai de plus en plus peur. Je vais faire une pause pub et je vais m'enfuir loin, car je sens que je vais faire me planter salement. Voilà, c'était la fin de Battle Blaze. C'est de la merde, n'y jouez pas. Faudra juste tester le mode versus. Je vais juste voir rapidement si jamais la fin peut être là avant la pub, voir s'il y a un mode versus dans le jeu. Sinon j'ai terminé un jeu du coffre à versus pour rien du tout, parce que s'il n'y a pas de mode versus dans les jeux, je vous le rappelle, le jeu n'est évidemment pas un jeu de versus. Ah, c'est quand même Samy qui a fait ça. C'est horrible. Ah, j'ai activé des boutons turbo sans le faire exprès en plus. Non, foutez-moi la paix, les boutons turbo. Non, turbo. Bon, d'accord, c'est pas grave. Push start. Et normalement, si je fais The Battle comme ça, il y a un mode versus, c'est ça? Voilà, deux player game, ok. Donc, il y a bien un mode versus, c'est bien un jeu en versus. On a terminé le mode solo. Wouah, trop stylé! Mais c'est qui lui? C'est qui lui? Mais c'est Ken Bogard! Ah, je vais tester Ken Bogard quand même. Ah, mais j'ai pas de player 2, je peux pas tester Ken Bogard. Bah, c'est dommage. C'est pas grave, vous ne verrez pas Ken Bogard. En revanche, vous allez manger 5 minutes de pub. On se retrouve juste après 5 minutes pour la suite de ce coffre à versus qui promet d'être fatigant. Je suis déjà en sueur, hein, c'est fou. À quel point ce jeu a mis à l'épreuve tout ma patience de streamer. Pub, et on se retrouve juste après pour la suite de ce coffre à versus. A tout de suite.
Aïe 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 aïe. Bonjour à tous et bienvenue dans le Coffre Versus, de retour pour la deuxième partie de l'émission. Louise nous a quittés et j'ai lancé le jeu du mal absolu. En effet, je vous avais déjà parlé de Clay Fighter 1, on l'a fait. En tout cas, TMDJC l'a terminé durant le Console Mania anniversaire des 24 heures de Console Mania. C'était la version Mega Drive, mais en gros, c'est plus ou moins pareil. Il n'y a pas vraiment de très très grosse différence. Et durant l'épisode consacré à la Nintendo 64, je vous ai donc parlé du 3, Clay Fighter 63, un tiers. Mais Clay Fighter est aussi sorti en 2, The Judgment Day, évidemment en hommage, si on peut dire, à la parodie de Terminator 2, ainsi sorti il n'y a pas très très longtemps. Bonjour à tous, oui, la voix en a pris cher. La voix a pris très très cher. Et donc Clay Fighter 2... est de retour, et Louise aussi est de retour, et du coup j'ai honte ma pauvre Louise, je ne te montrerai absolument rien de stylé. Donc le principe de Clay Fighter, c'est en fait de créer des espèces de gimmicks de personnages existants en pâte à modeler et d'en faire un jeu de combat. Donc voilà, ouais, le principe du clé hein, qui est vraiment la terre. Et du coup, dans cette version Super Nintendo du 2, on se retrouve avec un peu les mêmes personnages qu'avant. Donc on retrouve Tiny, on retrouve le Blob. Et on a des nouveaux personnages additionnels, un fameux Nana, hein, qui est une banana, comme vous voyez ici. Octo, qui est aussi un nouveau personnage vraiment très attirant. Et surtout, le meilleur personnage de tous les temps, Gougou, qui est un bébé en pâte à modeler avec une couche culotte et un gourdin. Donc en hommage à Frédéric Go, nous jouerons le gourdin. Et ce qui est stylé dans Clay Fighter, c'est qu'il y a des lapins. Il y a Opi et il y a un kangourou qui s'appelle Kangou. Ils se sont vraiment beaucoup foulés pour nos kangourous. On va évidemment prendre Gougou parce que je pense que dire c'est limite évident de voir ce que Gougou est capable de faire. Ah, il bave, mon gars, il est dégueulasse. C'est terrible. C'est affreux. Alors, Blob, qui était le top tier du premier, hein, qui était vraiment la pâte à modeler, hein, le Blob, et qui se modèle, l'animation, elle est encore plus terrible. Mais ce qui est bien, alors attention, hein, prenez ça avec des pincettes, hein, ce qui est bien dans Clay Fighter, c'est qu'en fait, le jeu est un véritable... Je balance des biberons. C'est un véritable jeu de combat. Vous avez le saut sur la direction du haut. Il y a petit coup, moyen coup, gros coup. C'est pas d'embrouille. Et les quarts de cercle font vraiment des coups spéciaux. Là, ainsi, je balance mon biberon. Il n'y a pas vraiment de coup en ex. Vous avez le temps qui est symbolisé au milieu. Et vous avez les coups cancellables. Et voilà, vous voyez, je peux faire bas gros point coup. Voilà, essayer d'embrouiller. J'ai un dragon. Voilà, ça c'est mon dragon. Et il y a des shops dans le jeu si j'arrive un jour à choper le blob. Puisque, évidemment, le gros problème de Clay Fighter, c'est de savoir où sont les hitbox. Attendez, que c'est pas très facile. Ouais, j'ai aussi des coups de pied. Ça c'est vrai, c'est mon bas moyen pied. Ça, ça c'est le bas gros pied. Comme vous pouvez le voir, c'est évidemment très. J'ai dragonné à la relève. Est-ce qu'il peut. Voilà, dragon la relève. Dragon. 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 Il a rien compris le blob. La pose de fin est complètement stylée. Bon, le problème de cette version Super Nintendo, je veux bien vous avouer, c'est qu'on a vraiment l'impression que la digitalisation des persos n'est pas à la hauteur en fait de ce qu'est capable de faire la Super Nintendo. Et pourtant, le. Ouah, il m'a coupé en deux et j'en ai perdu ma couche culotte. Oh, par contre, Blob, tu vas te calmer tout de suite. Hein. Je te spoil. Je te spoil si tu te calmes immédiatement avec ta défense du coin. Hop, c'est au gros point, c'est un gros point. Coup de biberon, recoup de biberon, voilà, il est stun. Je lui mets gros point dragon, voilà, ça fait mid bar. Gros point re-dragon, par contre dragon whiff, hop, et allez, il est tué. Hein. Il a l'air intestable, hein, Gougou. Hein. Intestable. Il est dégueulasse, c'est violent. C'est violent. Tous les jeux où il y a des bébés en couche culotte, normalement, sont assez garantis. Tous les décors sont en pâte à modeler. Alors, les bruitages, c'est un peu poupouette. Et voici le lapin le plus mignon, hein. Oupi, le lapin karatéka, qui a l'air assez rack et explosif. Alors, ça, très mauvaise idée, mettre des éléments devant le décor. La garde, c'est arrière, c'est très bien. Par contre, je manque de bas gros points. Non, s'il vous plaît, monsieur, cassez-vous. Je manque cruellement de bas gros points. Oh là, je suis en train de me faire dominer dans les airs comme sur le sol. Je vais lui balancer quelques petits biberons. Biberon, biberonise-le. Oh, le dragon est passé au travers. De quoi? Bon, par contre, là, les hitbox sont à la pisse. Je suis désolé. Les hitbox n'ont aucun sens. Oh, mais fous-moi la paix. Ah, prends ça. Est-ce que j'ai un carrière-pied? Oui, non.
Non, ça c'est juste mon moyen pied, c'est juste un coup de zoning, d'accord. Ok, bon, je me suis encore fait avoir. Non, fous-moi le. Aïe, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Chope-le. Bon, je déteste taper les lapins, c'est pour ça que je l'ai laissé évidemment l'emporter. Ah, il est intestable. Ce lapin est intestable. Biberon. Et je peux même pas le zoner au biberon en fait, c'est ça le problème. Biberonise-le. Il saute dès qu'il voit biberon. Et mon dragon le touche pas. Le dragon le touche pas. Mais j'ai un dragon, il touche pas. Non mais casse-toi. Voilà, enfin. Dragon qui a touché. Pas de setup de cross-up. Je sais même pas comment le toucher, comment pas le toucher. Ah, c'est dégueulasse. Oh, le jeu m'énerve. Aïe, oui, là, là. Je me suis fait tuer par Cachou. Don't you like carottes? Uniquement en purée et en petits pots, s'il te plaît. Bon, mon bébé s'est réellement fait démolir. Donc je vais être obligé de counter-pick un perso un peu plus stylé. Je pense que j'ai un Octo en couleur alternative. Voyons voir ce que Octo est capable de faire. Bon, le véritable problème de ce jeu, c'est que les hitbox ne sont absolument pas bonnes du tout. Et c'en est limite insupportable. Parce que, évidemment, tu aimerais faire quelque chose. Ah, j'ai activé un mode turbo. Ah, casse-toi. Mon stick se devient fou. Non, arrête immédiatement ça. Merci. Non, arrête immédiatement ça. Arrête ça. Je ne sais pas. Arrête ça. Oh là là, le mode turbo. J'ai activé le mode turbo de l'ordre DVD. Et du coup, ouais, je ne touche à rien, ça fait des coups. Arrête le mode turbo. Arrête. Voilà. Je ne sais pas ce que ça a fait. Mais je semble avoir pris contrôle. Non, je n'ai plus le contrôle. Ah, je n'ai plus le contrôle. Ça, c'est terrible. Turbo. Ah, retire le turbo. Voilà, c'est bon. Impeccable. Je crois que les turbos ont été enfin retirés. Je sais pas trop comment j'ai fait. Oh non, mais c'est pas possible. Mais quel est ce stick dissident? Ok, je crois que c'est bon. Saute. Ok. Il donne pas coup. Voilà, impeccable. Allez, il n'y a plus qu'à trouver. Voilà, impeccable. Octo a visiblement un coup spécial très efficace. C'est arrière avant-point. Ça a l'air très pas safe. Mais je m'en fiche complètement. Roule Octo. Oh, ça fait mal ça. Il n'y a pas de chop en fait dans le jeu, je crois. J'ai beau essayer de choper depuis tout à l'heure, je n'y arrive absolument pas. Ça, je sais pas ce que c'est. Non mais casse-toi. Oh là là, mais il fait mal. Il fait tellement mal. Poussez-vous, monsieur. Ah, ça c'est pas mal. J'ai juste à spammer point et ça fait ça. Oh bah parfait. Oh bah c'est bon. C'est bon, j'ai fait ma journée, c'est bon, ouais, j'ai trouvé. Spam point, ça fait les 1000 mains de Honda. Eh ben en fait c'est Honda le perso, ils ont ajouté Honda dans le jeu quoi. Le jeu n'était pas assez pourri, ils ont mis Honda. Les boutons turbo, Honda dans le jeu, l'ordre DVD à mon avis. Vas-y, fais ton Honda là. Mais ça avait marché avant, pourquoi ça marche plus maintenant? Oh là 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 là. Mais pourquoi un truc qui... Oh mais pourquoi un truc qui marche il y a 2 secondes marche plus maintenant? Louise! Non! Ça sert à rien de bourrer, oh, je me suis encore fait tuer. Fais la maline, vas-y, teste Louise, vas-y. Vas-y, teste. C'était Clay Fighter 2 sur Super Nintendo. Un jeu qui ne mérite pas que je m'y attarde plus longtemps. C'est de la merde, n'y jouez pas. Attention car je n'ai pas dit mon dernier mot, nous allons jouer à présent à Death Braid, un jeu uniquement sorti au Japon, qui est peut-être pas un jeu de Varsus. Il était déjà en IMAX le jeu, avant l'heure, si vous avez vos lunettes et si vous avez payé votre place un peu plus cher, le Fighter, l'Amazon, Hercules, très bien, et la vache. Ok, bon, ça a l'air dégueulasse. Je pense que je vais m'amuser. Il y a un mode versus. Ce jeu est officiel pour le coffre versus. Game start. Du son. Parfait. Impeccable. Donc, je suis le payeur 1 et j'ai le choix entre plusieurs persos. Le jeu lag de base, hein, il faut le savoir. Il faut maintenir le bouton haut un certain temps avant que ce dernier ne puisse bouger. C'est quand même assez terrible. Très bien. Louise, quel perso dois-je prendre? Quel est le perso qui semble, à ton avis, le plus optimisé? Hercules. Si j'arrive à le sélectionner, je le prends. Hercules, très bien. Hercules dans l'optimisation. Nous jouons à Death Braid sur Super Famicom. Et
mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? On se court, d'accord, ok, ça a l'air d'être un espèce de jeu de catch, je me fais poursuivre par un Minotaur. Non mais, déchoppe-moi, oh oui. Des muscles, des chopes, de l'huile. Et des corps qui comme s'imbriquent. Comment? Non, il va me pousser dans les corps. Ok, c'est un jeu de catch, c'est un véritable jeu de catch. Il faut juste que je trouve quels sont les boutons, j'ai jamais rien compris au jeu de catch. Mais lâche-moi, bordel de fion. Relève-toi, d'accord, j'ai fait une esquive de côté. Non, non, oui, viens, on va, viens, on va derrière, on va discuter ensemble. Poussez-moi, poussez-vous. Elle me projette en dehors des cordes. Non mais, faut, lâchez-moi, monsieur. Non mais, il faut me lâcher maintenant, monsieur. Ah là là, c'est pas possible. Je n'y arrive pas. Il faut absolument qu'il me lâche. Lâche-moi. J'ai mis pause, comment j'ai fait pour mettre pause? Oh là là, je me suis encore fait taper. J'arrive pas à retirer les boutons turbo, c'est ça qui est terrible. De ce stick. Où suis-je? Relève-toi. Ok, j'ai fait une pas de côté. Oh mais maintenant il fait n'importe quoi le jeu. Aïe. J'ai jamais réussi à le toucher hein. Jamais. À côté Beast Warrior c'est 6 fois mieux hein, je vous jure. Ah mais ce stick est en plus ultra dissident. Bon, il m'a tout cassé. Ah c'est pas un vrai jeu de catch. Une fois que j'ai plus de vie, j'ai perdu. D'accord, très bien. Ok, bon voilà, visiblement les boutons turbo sont activés encore. Comment je retire les boutons turbo de ce jeu? C'est pas possible. Ah, voilà, ça y est, j'ai tout retiré, parfait. Ouf, enfin, j'ai réussi à me sortir du bouton turbo. Voilà, plus d'excuses. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc le bouton A, c'est pour la grosse attaque. Le bouton B, c'est pour la petite attaque. Et le bouton X, c'est pour la chope. J'ai tout compris. Je vais être... Ah mais je veux pas jouer en versus. Je ne veux pas jouer en versus, reset. Reset le game. Parfait, j'ai compris. Donc il y a A, B et shop. Ok, je vois à peu près où je suis. La shop c'est là. A c'est là, B c'est là. Impeccable. Je vais tout détruire. C'est un jeu de combat hein. La barre de vie se termine. C'est pas un véritable jeu de catch en fait hein. Ça fait croire que c'était un jeu de catch mais en fait non. Bon, je vais continuer sur le Hercules. Même s'il a pas l'air spécialement top tier. Voilà, ça y est, j'ai repris possession de ce stick. Non, c'est pas le stick de Yamato. Alors, oh ouais, je me suis fait planter. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi le relever. À la petite attaque, c'est ça. Non, ça c'est saut. C'était saut. Pousse-toi. Réagis. Donne un coup. Sans déconner, donne un coup. Je vais péter un câble. Donne un coup. Aïe. Oh, ça craque. J'entends mes os craquer. Mélodie détesterait ça. Donne un coup. Ça c'est la garde, mais c'est pas possible. Mais t'es vraiment débile as fuck. Mais donne un coup, défends-toi, je t'en supplie. D'accord, ok, j'ai réussi. Ah, enfin, ça y est, boum. Voilà, là on parle en tant que bonhomme. J'ai enfin trouvé de quoi te donner des patates, mon gars. Oh non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais t'es sérieux, mec? Mais comment t'as fait ça? Hop. Ah, c'est lui qui m'a encore chopé, mais c'est quoi ce jeu? Roulade. Il en a encore chopé, mais... Non. Saute. Redonne des coups. Allez. Dans les jeux de catch, il faut donner de sa personne. J'ai jamais... Non, choqué. Je balance pas super. J'appuie. Il suffit d'appuyer sur un bouton à tous les coups. Non. Me tue pas. Oh, je suis tellement mort. Oh là là. Il m'a mis l'ultra. Oh, allez, attends. Je m'en fous, moi j'ai coup là. Mais pourquoi lui? Fous-moi la paix. Un. Ça c'est la garde, ok. La garde c'est un bouton, donc c'est un jeu de merde. Déjà c'est officiel. Non, tiens. Comment il peut mettre sa garde comme ça? Allez, je te chope. Oui. Ça y est, j'ai trouvé. Ah c'est bon, il va plus faire le malin très longtemps. Oh, bah, par contre ça fait mal, monsieur. Je m'esquive, je te chope. Non, ça c'est le saut, voilà. Non. Ah, j'ai le rebond contre les cornes. Mais c'est pas possible, il a une garde, il a un guacab. Il a un jetable sable, le mec, ou quoi? Allez, je l'ai chopé. Bam, voilà, écrabouille-le. Ok, d'accord, je m'écrabouille moi-même. C'était un concept. Dans un jeu de catch où tu t'écrabouilles toi-même. Il m'a encore sauté, il va pouvoir même mettre l'ultra. Relève-toi, mon guerrier. T'appelles Hercule. Ah, ça y est, j'ai trouvé une frame. Impeccable, j'ai fait 3 hits de combo. Ah, c'est pas possible, ça c'est super dur, j'ai mal à la main. Non!
C'était Deathbraid sur Super Famicom, un jeu mi-catch, mi-versus qu'il faut absolument essayer. Voilà, ça c'est fait, allez, next. Jeu suivant, on va pas passer 50 ans sur ce jeu de chiasse. On va jouer à un jeu que j'avais vraiment envie de vous proposer depuis tellement longtemps. C'est Doomsday Warrior, alias Taiketsu Brass Numbers, qui a été référencé par ma recherche comme jeu de versus. Doomsday Warrior, les guerriers de l'apocalypse, sorti en 1992, il y a du versus, tout va bien, je vais faire le normal game, nous ne sommes pas dans Console Mania, présentez-moi les persos, select, mais j'ai déjà joué à ça, Sledge, les beaux gosses, les bans, ouais. Ah voilà, ça commence à être un perso. Mais j'ai déjà joué à ça, Daisy, ça me dit quelque chose. Mais oui, Pelum. Oh lui, dégueulasse lui. Wouah, le perso. C'est Condom Man. L'homme. C'est l'homme préservatif. Ils ont osé. Bon Louis, c'est toi qui choisis, hein, comme c'est un peu Louis Gaming. Oh Louise, elle choisit l'homme préservatif. Évidemment, puisqu'il sort couvert, faites-en de même chez vous. Je choisis l'homme capote et je suis inscrit donc au tournoi. Ok, je peux rencontrer qui je veux à peu près. Qui c'est qui a la plus grosse tête à claque? Lui, il a une tête à claque, lui. Elle est blondinée comme ça, là. Ça mérite des patates. Je suis l'homme préservatif. À mon avis, avec ça, je ne peux pas perdre. Alors, je n'ai jamais joué à ce jeu de chiasse, hein. Je vais essayer. Mais si, j'ai déjà joué à ça, mais si! Ça me dit trop quelque chose, c'est ouf! Mais j'ai déjà trop joué à ça! Oh là! Alors, avec le bouton Y, tu donnes petit point. Oh là! Oh là, oh là, oh là, oh, c'est très mauvais. Avec le bouton X, tu donnes gros point. Oh, oh là! Oh là, c'est pas très bon. Oh, oh là, oh là, oh là, où est-ce qu'on met la garde? Non, je suis déjà stun. Ah! Ok, tu sautes avec un bouton, donc ça déjà c'est pas très très bien. Et la garde, ok, la garde c'est un bouton aussi, donc saut un bouton, garde un bouton. Je sens qu'on va passer un très mauvais moment. Un très très mauvais moment. Oh là là, mais il est horrible, Condom Man. Oh, c'est affreux, mais regardez ses attaques. Mais comment? Ah, mais comment tu veux que je joue avec ça? Oh là là, puis c'est pas possible. Je peux même pas me garder les attaques. Mais fais... Oh là 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 là. Oh. Donc si j'ai bien compris, attaque faible avec Y, attaque fort avec X. Quoi? Quoi? Mais non, mais j'abandonne pas. Mais bien sûr que non, que j'abandonne pas. Mais remets-moi, je commence juste à avoir la caractère, à avoir la commande 10. Tu sautes avec A, avec L, tu mets la garde. Je crois qu'avec R, tu mets la garde aussi. Je crois que les gâchettes, c'est la garde. Quoi qu'il arrive. J'ai juste vérifié que les gâchettes c'est bien la garde. Vas-y viens. Ouais, les gâchettes c'est la garde. Ok, les gâchettes c'est la garde. Par contre, pas prendre des attaques comme ça. Voilà, et moi je vais glisser et gagner le match. Voilà, glissade. Et pourquoi ça lui fait pas de dégâts à lui quand je fais des glissades? Tu veux voir mon condom? Sans déconner, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux, il met des super alors que moi je glisse. Sortez couvert. Ok, sortez couvert. Je le traverse. Il doit sûrement y avoir des chops, c'est pas possible autrement. Voilà, j'ai réussi à faire un coup spécial, alléluia. Ah, il est stun, vite, attaque. Oh, mais la lenteur du perso. Oh là là, puis s'il faut mettre la garde à chaque fois aussi, on va pas être copains. La garde, voilà. Il est allé me trancher. Mais s'il vous plaît, monsieur. Oh, il m'a balayé. C'est chaud. J'ai mis la garde. Oh, mais ça fait des dégâts de grattage. Oh. Bon, j'espère que vos préservatifs sont plus efficaces que ce mec-là. Parce que sinon, vous risquez de choper masse de saloperies. C'est chaud, hein. C'est une forme vivante liquide. Alors que j'affronte quand même le héros de la Terre. Hein. Parfait.
Forme vivante liquide à l'attaque. Arrête de sauter. J'ai sauté. Aïe, j'ai pas sauté. Là, j'ai sauté. Oh là là, il m'intercepte tout le temps dans les airs. Il est... Putain, c'est ouf. J'ai pas d'attaques qui vont vers l'avant, là, dans les airs. Comment est-ce que tu veux que je fasse? Mais en plus, il m'en tire tout. Mais il est zéro, le perso. C'est pas possible. Il est juste nul. Il y a rien à faire. Oh, pique, ça glisse tellement. Ou alors, faut être parfait sur les glissades. Sortez couvert, sortez couvert. Aïe, ça fait mal. Chop. D'accord, pas de chop. Sortez couvert, sortez couvert. Sortez couvert. Sortez couvert. Sortez couvert, je t'ai dit. L'ensemble de maman qu'on a eu pour le mariage, sort tout. Ah. C'est bon, je commence à avoir une certaine forme de mkoubinisme. Les hitbox disparaissent au fur et à mesure qu'on utilise les coups, donc c'est assez bizarre. Sortez couvert, sortez couvert. J'ai un condoman. Ça y est, j'ai un condoman. Je viens d'apprendre à me servir d'une capote. Non, 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 non. Ça, t'as pas le droit, en revanche. T'as pas le droit. Je glisse. Non. La barre. Je n'ai pas pu me retenir au dernier moment, malheureusement. Et je dois changer de condom. Changement de condom. Je vous jure, je réussis un match. Un match et on peut le faire. C'est le héros de la terre. Mais j'ai quand même tout ce qu'il faut. Mon sort est couvert et de Chavannes perfect avec la voix cassée. Je passe de Cyril Hanouna à Christophe de Chavannes. C'est parfait. Mais vous avez vu la barre de vie que je lui fais sur ma glissade? Sortez couvert. Sortez couvert, je te dis, héros de la terre. Héros de pacotille, un blondinet. Le jour où un blondinet sauvera la planète Terre, et ben on sera bien dans la... Mais comment tu fais ça? Mais je veux savoir faire ça, moi aussi. Voilà, pas gros point, glissade. Sortez couvert. Sortez couvert. Oh. Tiens, à la relève. Ouais, par contre, ça, c'est de la triche. Mec, tu triches tellement, mais je dis rien parce que t'es le CPU, hein, mais franchement... Tiens! Non, je veux me décaler. Bah oui, j'ai pas l'avantage sur sa relève. Je dois attendre qu'il se relève pour sortir couvert. Voilà! Protégez-vous, c'est très important. Moi, je réponds à la bonne parole. Et lui, eh bien, il essaye de me martyriser encore. Ouais! Oh, c'est touché! Oh, ce stand gros point! Non. Voilà! C'est ça. Aïe, non, j'ai mal. Glissade. Parfait, la glissade passe sous ses boules. Je l'ai tué. C'est mon mec. Oh. Il est tellement trop stylé. Alors, je peux lui mettre de la puissance dans les bras, dans les pieds, de la défense, de la vie ou de l'âme. Est-ce que c'est important qu'un préservatif ait une âme? Je crois pas, hein, moi. Je crois que ça sert pas à grand chose, hein. On va lui faire un gros bras, comme ça. Mon gars. Oui, je valide tout, moi. Bras puissant. Et je vais start bouton. Allez, qui est-ce qu'il y a? Le petit minet. Louise, à toi de choisir. Ah, mais je vois, elle m'oblige à aller frapper de frêles jeunes filles. C'est une plante dansante. T'as croisé ça aux Solidays? Daisy, elle revient des Solidays. Alors, est-ce que... Ouais, visiblement, elle en a un peu rien à foutre de ma capote, là, pour le moment. S'il vous plaît. Cette situation me met extrêmement mal à l'aise. Gros point. Ah, mais cette balayette est puissante. Glisse. Bon, tant qu'elle a que ça, elle me posera pas de problème. Oh, Daisy. Daisy. Oh, la relève Daisy. Regarde mon nouveau bras puissant. Aïe. Oh, par contre, j'ai mal, là. Oh, mais elle fait rien. Oh, c'est bon, Daisy, c'est pas... Daisy, ça doit être jouable. Je sens que Daisy, c'est jouable. Daisy, c'est jouable. Attention, je vais tenter un coup sauté. Oh, bon, j'aurais jamais dû. Oh, ça a pu mettre la garde là-dessus. Ok, d'accord. Je ne sais pas ce qui se passe, hein. C'est quoi ça? Oh, c'est très dérangeant. Très dérangeant. Vraiment des choses. Ah, dans la garde, par contre, cette glissade, elle l'a bien prise. Oh, mon bras puissant. Non! Par contre, ça commence sérieusement. Oh, la barre, mon gars!
Pousse-toi, pousse-toi, poussez-vous, madame. Glissade. Mon bras puissant. Un bras puissant. Un bras puissant. Un bras puissant. Par ici. Oh non! Je me fais taper à coups de pied. Donne-moi ça. Et voilà. Daisy, c'est gagné. Un peu l'autière désir. Je vais augmenter mon bras puissant. Ah ouais. Ah, j'ai le condon avec le bras le plus puissant de l'histoire. C'est bon. Il y a le Hamon, il y a Ali. Alors on tue qui en, après? Le chinois. Le chinois, d'accord. On tue chinois. Ça sera Monsieur Dang. Qui affronterait Monsieur Dang. On va voir si Monsieur Dang sort couvert. Ouah, c'est quoi ce décor, sans déconner? C'est Paris? Ah, mais oui, c'est dans le futur. Paris a été racheté par la Chine. Ok, c'est réaliste, c'est réaliste. Qu'est-ce qui me fait à se déplacer en temps foot 6? Qu'est-ce que c'est que ça, Mister MV? Oh, la barre qui vient de me faire. Oh là là, j'ai mal. J'arrive. Oh, il est insaisissable. Monsieur Dang, calmez-vous. Ah, j'aimerais bien me déplacer plus vite, ça serait tellement bien. Un petit coup de bras. Oh, mais lui aussi, il a augmenté ses statistiques. Oh, mais il a une flamme. C'est bien connu que je ne peux rien, les condons ne peuvent rien faire contre le feu. Ah, il me casse tous mes coups. Oh, je suis stun. Ah, c'est terrible, Mister MV est intestable. Mais pourquoi nous chope-t-il? J'aimerais tellement pouvoir choper aussi, moi. Un bras puissant. Ah oui, il se relève baissé, ah, c'est malin. C'est malin, il est malin, il est trop malin. Il est beaucoup trop malin. Ah, ça c'est bien joué. C'est vraiment bien joué. Aucun bras puissant ne peut venir à bout de Maître Dang. Je n'abandonne pas, je n'abandonne jamais, vous entendez? Maître Dang, rien à faire. Il faut trouver. Il faut trouver. Mais comment on fait l'ultra? Les mecs de GameFAQ, ça vous paye pas venir me dire? Je crois que c'est une shop, mais il y a un moment de faire puissant. Oh, j'ai pas chopé Louise. Louise, c'est fini, c'était dans l'autre jeu. Là, c'est Maître Dang. Ah, Maître Dang, il fait mal hein, quand même. Ah, puis c'est vrai que la garde, c'est sur un bouton. Hein. Ça, c'est pas instinctif. Hein. Mais t'es sérieux avec ton coup de tête, là? Ah, mais s'il te plaît, mais fous-moi la paix. Tiens, setup d'Alioun. Qu'est-ce que t'as à faire contre ça? Voilà. Tu peux rien faire, hein. Setup d'Alioun. Hop là. Ah, par contre, il m'a touché. Setup. Setup. Je suis derrière. Bon, bon, par contre, je peux pas le toucher. Glissade. Glissade. Tout est dans la garde. C'est pénible. C'est pénible, hein. Et j'endure ça pour vous. Alors que je suis fatigué, que j'ai peu de voix. Viens là. La garde. La garde. Maître Dang. La garde. Oh là là, j'arrive pas à le toucher. Il est tellement puissant. Il est tellement fort. J'aimerais tellement pouvoir le choper. C'est sûrement. Ah. Je vais essayer ça. Chope-le, chope-le, chope-le. Voilà. J'ai enfin réussi. Ça y est. J'ai compris. Je vais devenir beaucoup plus fort grâce à ça. Bon, je vais peut-être pas gagner tout. Voilà. Je perds celui-là, mais attends, je suis plus puissant. Car j'ai enfin appris à enfiler une capote. Impeccable. Je n'abandonne pas. Non, c'est pas L plus R, c'est le bouton B. C'est le bouton B. Maître Dang, vous êtes à moi. Par contre, je sais pas s'il y a une barre cachée ou quoi que ce soit. Maître Dang, il fait des dive tête là, c'est pas possible. Je veux jouer, je veux jouer. Ok, c'est parti. Oh non, 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 mais j'ai pas fait de coup là. Mensonge. Il y a mensonge. Chope-le, chope-le, chope-le. D'accord, ok, je ne comprends pas. Ça se trouve, on peut utiliser ça qu'une fois par match. Hop, il a la garde parfaite, hein, le mec. Hein. Il n'y a aucune embrouille. Oh là là, oh là là. Pff, oh là 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 là, il est trop fort. Il est beaucoup trop fort, je peux pas le battre, même avec mon bras puissant. Ah, regardez, ça passe sous lui. Je fais mon petit attaque, et ça passe sous lui. Un petit coup. Un petit coup. Ah, touché. Non, je me suis trompé d'attaque. Oh là, il va me tuer, il va me tuer. Il va tellement me tuer. Il va tellement me tuer. Saute. Ah, je l'ai mis stun. Saute. Ah non, saute. Saute. Oui, ressaute. Je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort. Je suis pas mort. Arrête de reculer, espèce de fillette. Viens au travail. Viens au travail. Regardez, Xavier Dang essaye de télétravail devant vous. Devant vous, hein. Il ne se cache même plus. Oh là 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 là.
Je suis un hipster, dit charge arrière puis avant Y. Je pense que si j'obtiens une boule de feu, je serai plus puissant. Réessayons Maître Dang. Maître Dang. Troisième essai contre Maître Dang et Condoman qui risque pas de voir la fin du jeu. Ça risque d'être mon dernier essai malheureusement. Car il y a tellement d'autres jeux absolument génialissimes. Si vous voulez, le nom du jeu c'est Doomsday Warrior. Ça y est, c'est bon. Oh bah oui, il est mort. Il est mort. Ah ouais, mais ça va pas très loin quand même. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Ça va pas très loin. Oh, ça va pas très loin. Oh, ça va pas très loin. Ah, faut que j'ai un bouton sur la garde tout le temps. Mais en gros, tu fais garde arrière et t'as toujours raison dans le jeu, d'accord. Non. Par contre, quand tu mets la garde, il peut choper et faire moitié de barre, d'accord. Eh, il est pas si bête que ça, ce jeu, en fait, hein. Il y a quelques petits trucs, hein. Non, mais la garde. Allez, fais arrière. Oh là là, mais ça va tellement pas loin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Il y envoie un petit crachat, ça va à ça de l'écran. Je peux pas le tuer avec ça. Oh là 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 là. Bisous à Aeon Strom. Ouais, ouais, je vais y arriver, je vais y arriver. Je vais y arriver. Maître Dang m'a fait trop mal sur le Tour de France ce matin. Je vais me venger, promis. Il a que ça comme coup spécial, je suis un hipster. Charge arrière avant Y, mais je vais pas aller loin avec ça. Je vais y arriver, je vais y arriver. Je le sens. Louise est avec moi. Elle me donne des conseils actuellement, vous l'entendez pas, mais... Elle me dit à peu près quoi faire. Ah, par contre, c'est trop chaud que ça, ça touche pas. C'est violent. Mais reviens ici, télétravailleur de mes deux. La garde. Ok, bon, là, j'ai pas la garde. C'est pas grave, j'ai perdu un peu. Mais c'était pour le bien... Le bien de Gaming Live. Attaque-le. Oh, il y a tellement trop de boutons. Reviens là, fillette. Ah, par contre, là, c'est dégueulasse. Il fait que camper. Oh, pire qu'un joueur de Call of Duty. Mais reviens là. Avance plus vite, espèce de spermatozoïde de condom de mes deux. C'est que quoi, ça? Mais c'est trop bien, ça. Attendez, je viens de trouver une nouvelle attaque. Je viens de trouver une nouvelle attaque. C'est ma meilleure attaque. Oh, je suis intestable avec ça. Non, c'est moi qui devais choper. J'ai mal. Avec ça, je suis... Avec ça, normalement, je suis imbattable. Oh, c'est bon. Je gagne en l'air, déjà. Comment tu peux te relever en me mettant un coup? Saute. Oh, c'est dur, c'est dur. Saute. Oh, non, j'ai perdu. Avance plus vite. Avance plus. Oh là 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 là. Mon combat de tous les jours pour maîtriser Condoman, hein. C'est dur, hein. C'est dur, hein. T'as choisi le top tier du jeu là, Louis. J'arriverai jamais à le tuer avant la pub. C'est impossible. Comment est-ce qu'on peut tuer ce mec là? Mais regardez ma charge arrière avant, mon coup. C'est vraiment... Regardez. Regardez ça. Regardez ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec... Je vais dire encore des choses grivoises. Je m'arrête. Mais arrête de me choper. Je suis vraiment en colère. Je suis pas content. Je suis pas content. Mais sans MV, fous-moi la paix. Tiens. Tiens. Mais c'est moi qui chope. Je ne vais pas m'énerver. Je ne vais pas m'énerver car ce jeu est tellement bien programmé. Ok, je viens de me faire avoir comme un débutant. C'est normal. Oh là 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 là, mais il me crache du feu. Crache-moi du feu. Oh là là, bon, y a rien à faire. Il a la garde surtout. Chope-le. Chope-le. Chope. Ça devient difficile, hein. Ça devient très difficile, hein. J'ai réussi à battre le héros du monde entier. J'arrive pas à battre un vieux maître chinois obèse qui crache du feu, c'est pas possible. C'est Justin Wong. J'avoue, c'est Justin Wong. Eh, viens là, let's go Justin. Oh, la barre de vie qui me fait là-dessus. Oh, t'es pas sérieux, mec. Oh là 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 là. Mais regardez les dégâts que je lui fais, c'est ridicule. Genre, on peut rigoler. Ouais, ouais, c'est normal. Comment il est déjà stun? Oh là là, j'ai perdu mid-bar. Et il campe, et il campe, et vas-y qu'il campe. Allez, saute. C'est tellement pas pratique de sauter dans ce jeu, je vous jure.
sauter avec un bouton alors qu'on peut. Alors que le bouton haut ne sert à rien du tout. Hein. Pourquoi faire. Ah si, le bouton haut sert. Oh. Oh, viens là, mon loulou. Oh. Oh oui. Oh, celui-là, il est parfait. Regardez vers le haut. Zwip. Ah, voilà une vraie attaque de Condoman. Parfait. Hop là, mon gars. Hop là. Hop là. Hop là. Oh, c'est la meilleure attaque. Oh, il aime tellement pas mon coup de zizi, là. Zizi. Oh oui. Oh, moi, par contre, je suis mort. C'est bon. J'ai trouvé le petit zizi, là. Ça monte comme ça. Ah, on est bien. Avec le petit zizi comme ça, on va être bien. À mon avis, Lightbox a l'air divine. Je viens de trouver ce coup, je suis impatable. C'est parti. J'ai trouvé l'entière. Ouais, j'ai trouvé l'entière. J'ai trouvé l'entière. Il est un peu dégueulasse, mais normalement, c'est bon. Normalement, avec la garde et l'entière, je devrais m'en sortir. C'est parti. Ah, par contre, le startup est trop long. Ça fait mal. Zizi, parfait. Zizi, zizi. Oh là là, c'est trop long à sortir. Sortons zizi plus vite. Voilà, merci. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, ce que je viens de lui mettre. Non, saute, saute, saute. Saute, mon gars. Saute. Oh, mais cette coupe faux. Je me relève en zizi. Parfait. Oh là, il a pris tellement cher. C'est bon, Maître Dang. Maître Dang est à portée. Je n'ai jamais perdu autant de vie que maintenant. Maître Dang, un zizi. Oh, puis c'est un multi-hit. C'est ça qui est terrible. Zizi touche deux fois. Regardez, une fois, deux fois, une fois, deux fois. Ah, par contre, le crachat de feu, c'est vrai que le feu, ça reste encore un match-up du condon. J'ai mal. Faux, faux, faux. Tout c'était faux. Non, 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 non. C'est quoi ton coup de tête, là, maléfique, Zizi? Oh, je me suis encore fait toucher par le feu. Zizi. Il a mis ses cheveux dans mon zizi. J'ai encore perdu, mais je suis bien mieux parti qu'avant, hein. Je n'abandonne pas car ça n'est absolument pas dans l'esprit de Gaming Life d'abandonner. Nous on va jusqu'au bout des choses. Bah, il faudrait faire un zizi focus cancel. Mais ça risque d'être difficile. Ou le fameux zizi tout ultra. Zizi tout ultra, c'est officiel. Ah là là, le coup bas, coup haut. Je sais pas comment le toucher vraiment avec des coups qui font mal. Ah. Ok, bon ça, ça me fait pas mal donc je m'en fous. Comment peut-il mentir ça? Voilà, bien fait. Oh là, ça fait mal. Mais arrête de mettre ton vieux coup de pied là qui sert à rien. Tiens, prends mon zizi. Comme ça. C'est pas possible. Il vient de m'attraper. Ah, ça y est, j'ai réussi à le mettre deux hits. Ce gros sac. Ça, ça ne touche pas visiblement. Je m'enfuis, je m'enfuis, je m'enfuis. Ah, encore touché. Encore touché. Encore touché. Non. Ah, ça, ça fait, ça c'est très très grave. C'est très très grave, les amis. Je comprends pas comment il peut mentir comme ça. Pour moi, ça me semble indécent. Ziz. Et il m'a encore mis les cheveux. Ça te fait rire. Ça te fait rire. Ça te fait rire. Oh là là, mais c'est toi qui as dit... C'est toi qui m'as dit de prendre le condom. Oh, Louise, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Allez, fini les demi-molles. C'est parti. Oh, puis cette OST du mal. Ya, ya. Zizi, impeccable. Il a tout pris dans la garde, c'est pas grave. Ça, par contre, je comprends pas comment il peut mentir, ce truc. C'est un truc de malade. Voilà, impeccable. Ah, ok, je l'ai bien tassé. En haut. Normalement, c'est entière. Je saute. Non, la garde. Ah, la garde, c'est un bouton. Oh là là, la garde, c'est sur un bouton. Pourquoi ils ont mis la garde sur un... Mais ces coups de cheveux sont ultimes. Là. Il m'a chopé la glissade. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Tiens, prends ça. Tiens. Non. Ah, le coup de tête. Ah, j'ai tellement perdu encore. J'ai tellement perdu encore. Ah, encore touché. C'est bon, il est stun. Oh non, ça, ça touche pas. Ressaute, 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 ressaute. Oh, bien joué. Ah, je suis en train de l'arsener de coups. Ah, par contre, il m'a craché dessus. Parfait. On est quasiment à égalité. Oh, je l'ai entière.
Oui. Oh là, c'est bon, c'est très très bon. Il est stun. Allez. Zizi. Oh, mais il m'a craché en dessous, Oui. Le condoman. Oh, il m'a encore entière. Je l'ai, il est mort. Il est toujours pas mort, il est mort. Ouais. Ça y est, j'ai réussi à tuer Monsieur Dingue. Combat d'une vie, quoi. J'ai jamais été aussi content de mettre une capote de toute ma vie. Eh bien, je pense que c'est l'heure de la pause. Juste après la pause, nous reviendrons avec encore plus de diarrhée sur Super Famicom avec le jeu officiel de Bruce Lee, Dragon, Bruce Lee Story, la légende de Bruce Lee, un jeu où en versus tu peux jouer Bruce Lee ou Bruce Lee. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et ensuite, si jamais on a le temps, après une petite partie de Bruce Lee Fighting, eh bien, on devrait jouer à... Alors, attendez, qu'est-ce que je vous ai réservé comme horreur? Normalement, Power Move. Et c'est pas très bien. Power Move, je vous assure, c'est pas très très bien. Maître Dang est mort. On se retrouve juste après la coupure pub pour plus d'horreur et de jeux finis à la pisse dans ce coffre à versus. Définitivement laborieux. A tout de suite et sortez couverts.
Dernière partie du coffre à Versus, merci d'être avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Iggy the Fool et nous allons jouer à Dragon The Bruce Lee Story. Alors je tiens quand même à préciser, toutes les images et toutes les paroles que vous allez entendre à la fin de ce stream sont en fait celles du NoPSP. En effet, Dragon est un jeu développé par Virgin Interactive afin de faire la promotion du film Dragon, la légende de Bruce Lee. C'est donc avec grand plaisir que je participe à ma première OPSP sur Gaming Live afin de promouvoir le film et le jeu de chez Virgin, The Bruce Lee Fighting Spirit. Bien, alors, ce qui est très bien avec le jeu, c'est que on peut faire l'histoire à deux. Il existe un mode versus et il existe un mode à trois où on a une espèce de tournoi qui est assez bizarre en triplette. Nous, on va faire un tout petit peu de pan de l'histoire à un et on va essayer de s'imprégner un peu du festival et du gameplay et des subtilités de ce jeu qui, je rappelle, est une OPSP. Est-ce que je serai dans CMSTP ce soir? Je ferai un petit coucou full metal, mais je ne resterai pas car la journée fut longue. Bien, ça se lance déjà et il y a Jojo Lyon qui vient m'embrouiller. Donc avec B, j'ai petit point, j'ai gros point avec A. Donc en fait le jeu, voilà, le jeu vous pouvez sauter avec O. La garde semble être arrière, parfait, la garde c'est bien arrière. Vous pouvez backdasher en faisant diagonale bas arrière, voilà. Donc c'est pas la garde arrière, c'est un backdash que vous pouvez faire. Mais si vous voulez mettre la garde, il faut faire bas puis arrière. Et là vous mettez la garde en arrière. Sinon ça fait backdash. Et sinon il y a dash avant aussi. Le truc qui est assez bizarre, c'est que les gros coups sont inversés avec les petits coups. Du coup ça donne quelque chose de très étrange, je dois bien vous avouer. Étant donné que quand tu appuies, il va faire des dive kicks vers l'avant. En fait c'est comme si le gros point était à la place du petit point et le gros pied à la place du petit pied. Ça bouge pas très bien, je dois bien vous avouer. Et cette espèce de backdash en appuyant sur la diagonale me met très mal à l'aise. En plus, il a l'air vraiment balèze, lui, hein, le marin pêcheur. Je suis déjà au sol. Relève-toi, Bruce. Bruce. Voilà. La musique est stylée. Par contre, les hitbox veulent rien dire du tout. Rien. C'est... Ah, voilà. J'ai utilisé les gros pieds plus. Ah, avec les hatchas. Oh, je suis déjà stun. Je suis en train de me faire massacrer. Hein. Massacre-toi. Relève-toi, Bruce. Bruce. Ah, j'ai des combos, gros pied, mais la lenteur extrême du combo fait que mon adversaire a juste à se baisser pour tout éviter. Ah, ça, c'est close gros pied, visiblement, ce que je viens de faire, là. Là, faut faire quelque chose, monsieur Bruce Lee, monsieur Bruce Lee, monsieur Bruce Lee. Vous ne faites pas honneur au karaté, au kung-fu, pardon, que vous défendez. Bruce, c'est pas facile, hein. Ah, ok, ce gros point a l'air d'être un bon coup parce qu'il retombe tout droit. Ah, par contre, lui, il a une chaîne. C'est de la triche. Oh là, j'ai encore stun. Oh là, mais c'est horrible comme jeu. Ça bouge mal. J'ai une dive punch. Essayons d'utiliser la dive punch plus rapidement. Saut, dive punch. Saut, dive punch. Saut, dive punch. Ah là, mais lui, il a une chaîne. Moi, je peux avoir tous les dive punch. Ça whiff. T'es pas sérieux, ça peut pas whiffer. Mais va mourir, espèce de marin de mes deux. Meurs. Allez. Je viens de me faire tuer par un marin au pif. J'ai perdu mon premier continuum. C'est très agréable. L'animation est pas trop mal. Ah, j'ai fait le first hit. Très bien, je sais pas à quoi ça sert, mais visiblement ça a l'air d'être bien. Tant que je fais pas le last hit. Allez, va en avant. Comme ça, va en avant. Oh là là. Quand vous faites saut vertical, vous pouvez vous décaler. D'accord, c'est comme ça qu'il faut jouer. Ok, saut vertical et ensuite on se décale. Et ensuite on met un coup. Ouais, lui il est en entière aussi. Moi mon gros point il fait pas entière, mec, hein. Oh, ça a l'air d'être un jeu de la subtilité, hein. Reka? Est-ce qu'il a Reka? Il a pas de Reka. Il a pas de Reka, par contre, il se fait mettre stun en deux frames. T'as vu, sans déconner, il a juste à mettre la garde et il a un guacable. C'est quoi cette, c'est quoi ce jeu? Mes attaques sautées! Je crois que les attaques sautées, en fait, ne servent... Ne servent que pour, le jeu au sol. Ah, c'est un jeu en foot 6, en fait, faut jouer en foot 6. Faut vraiment jouer fait long. Enfin, jouer tout en foot 6. On va essayer de lui mettre des gros pieds. Pour le moment, il évite tout. Il n'y a pas de shop, donc je sais pas quoi faire. Ah, si, ça y est, j'ai trouvé la shop. La shop, c'est comme dans Street 4. Shop. Shop.
Non, visiblement, j'ai dû tout utiliser. C'est pas possible, y'a pas de shop. Shop. Fais shop, fais shop. Ah, mais il est en train de me bourrer. Aïe, j'ai mal. Mais c'est ouf. Dès que tu presses la diagonale, il fait une roulade. Punaise, relève-toi, Bruce, relève-toi. Bruce, tu vas pas te faire tuer par un marin pêcheur. Bruce. Oh là là, mais ça touche pas quand il est au sol, je peux pas le toucher. Tu me conseilles quoi comme stick, dans quelle gamme de prix? Je m'en branle, tu vois bien que j'arrive pas à jouer au jeu. Aïe. Aïe. Chope-le, Bruce, je t'en supplie. Bruce, chope-le, Bruce. Mais il n'y a pas de hitbox à ce perso, quoi. Chope le bordel de merde. Ok, on va se déplacer. Oh là là, mais c'est pas possible. Ah, ça y est, j'ai reçu enfin le toucher. Mais le jeu est ridicule. C'est ridicule. Oh là là, puis en plus, il a encore le début de la chaîne. Ah, mais casse-toi. Oh, il m'a tellement fait mal. Ah, enfin, je l'ai touché dans les airs. Stun. Allez, viens le casser, là. Casse-le. Par contre, le chicken wing est pété, hein, dans cette version. Si seulement il avait une hitbox. Boum, tiens, close gros pied. Ah, il va évidemment tout esquiver encore. Ah, il esquive tout. Hop, hop. Et met des bas petits points après. Oh, mais il a un guacable, il a la garde, il a tout. Comment tu veux le tuer? C'est genre Moudadette. Mais arrête de faire... Arrête de faire des roulades, mongol. Je crois que la shop, en fait, c'est un coup spécial. Comment est-ce que je charge ma barre? Charge ta barre, Bruce. Allez, Bruce, tu peux le faire. Décale tes bas gros points. Oh, la distance du bas gros point, c'est pas ce que fait long. Hein. Voilà, je passe derrière. Ok, lui, par contre, quand je fais glissade, il peut me tuer. Mais moi, j'ai pas le droit. Tiens, pousse-toi. Tiens, là, enfin, lui aussi, sa hitbox a whiffé. On sait pas pourquoi. Les hitbox sont random. Tiens. Et là, ça marche plus. J'avais une chope, fut un temps. Et là, ça ne marche plus. Oh là, il se baisse. Comment tu veux que je fasse si c'est baissé? Ah tiens, prends ça. Oh là, mais c'est tellement de la merde. Putain, j'ai un 2 hit là. Je fais ça. Oh là, bam, 3 hits. Relève-toi, sac à merde. Mais touche-le, mais voyez bien à quel point il est invincible. Oh là, quand il est comme ça, il est intestable. Hop, hop. Oh là là, ça fait tellement mal ça. Relève-toi. Bruce. Tu peux le faire, Bruce. Bruce, tu peux le faire. Voilà. Oh. Aïe. 1, 2, voilà. Allez, chope-le, viens le choper. Ah là là, pourquoi ça le touche pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce jeu où les hitbox sont pas là? Voilà. Pour moi, gagner le premier match. Tu as bien tué le marin, Bruce. T'as quand même pas te faire battre par un pauvre marin. Aïe. Non. Oh, c'est quand même terrible de se faire saigner par un marin pêcheur. Mais je l'ai touché. Il n'y a pas de hitbox dans le jeu. Comment voulez-vous que je joue au jeu? Il n'y a pas de hitbox. Les hitbox dit... De quoi? Non. Qu'est-ce que c'est? Non, il a disparu. Qu'est-ce que c'est que ça? Maître Shredder. J'ai plus de vie, non. Thank you.
C'était une OPSP pour Virgin Interactive Entertainment, Bruce Lee Story The Dragon, présenté par votre humble serviteur Ken Bogard dans le coffre à Versus. Dragon est synonyme aussi de choses un peu dérangeantes. Tout le monde connaît évidemment la saga Double Dragon. Il faut savoir que Double Dragon est passé, eh bien, du beat'em all à ce que l'on appelle le jeu de Versus. Et malheureusement, ce passage en jeu de Versus n'aura été réussi que sur un seul support, c'est sur Neo Geo AES ou sur MVS. Car sur Super Nintendo, Double Dragon 5, The Shadow Falls est probablement l'un des pires jeux de combat qui nous a été donné de faire. La Team CM STP est bien entendu déjà prête. Donc mode tournoi, mode versus battle, mode quest, mode battle démo, mode dossier. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. On va jouer en tournoi. Donc voilà les doubles dragons Billy Lee et Jimmy Lee qui sont en fait Igor et Grishka Bogdanov, comme vous pouvez le voir, sont avec un cast incroyable composé de Ice Peak, Dominique Nikonik, Saintmaster, CK, Blade et Bones. Moi je vais jouer Louise Rébeillard le week-end avec ses copains. Voilà, une petite Dominique. Ok, est-ce que je peux rajouter un truc défense? On va baisser en défense, on va mettre plus de force. En spécial, non. De toute façon, je connais pas les coups spéciaux. Donc, par contre, je suis obligé d'en mettre, d'accord. Est-ce que je peux remettre en défense? Non, je connais pas les coups spéciaux. On va mettre 4 en défense, 4 en attaque, voilà. Voilà, Louise Rébeillard, elle est bien armée. Je pense que je peux aller à peu près où je veux. À mon avis, ça devrait être bon. Voilà. C'est... Oh là là, c'est Bzez, mon gars! Oui, c'est bien Double Dragon 5 auquel vous êtes en train... Auquel je suis en train de jouer. Et ce jeu est un jeu de combat. Saut sur la direction. Gros point, petit point. Ça, c'est petit point, ça, c'est gros point. Gros pied, petit pied. Oh, il y a un méga gros point. C'est un jeu à 6 boutons. Oh, puis tu peux choper de loin. Oh là là, mon gars. Oh, ça, c'est la chope. Oh, Louis Rébeillard top tier. Oh, la chope. Oh, ils sont sérieux. Mais j'ai le meilleur perso du jeu, là, coup sûr. Peut pas y avoir meilleur que ça. Ah, par contre, ouais, Spinning Bird. Spinning Bird, ça fait mal. Tiens, prends mon gros gourdin. Coup de fouet. Coup de fouet. Tu vas pas sauter. Tu vas pas sauter. Où tu vas comme ça? Ah, Louise Rébeillard, faut pas l'emmerder le week-end. Hein. Quand elle fait des soirées queer, elle déconne zéro. Hein. Elle rigole zéro. Jeu à 6 boutons, saut, la garde c'est arrière visiblement. Les shops sont un peu permissifs tout de même. Et quand je dis un peu permissif, c'est vraiment très permissif. Ah, c'est quoi ce dash punch là? Ouais, très bien joué ce kick. Mais tu peux pas, tu peux rien faire. Mon zoning de fouet est trop puissant. Et en plus, quand tu mets la garde, eh bien, y a la shop qui sort direct. Ah, c'est trop... C'est vraiment puissant. Tiens, je vais pas gros point tout ça. Ah, par contre, dans les airs, j'ai pas vraiment l'avantage. Ah, dès que je saute, le CPU saute aussi, d'accord. Ok, pas testable, le CPU. On va y aller à coup de gros point. Voilà, moyen point, gros point, ça c'est la chope. Moyen point, gros point, ça c'est la chope. Moyen point, gros point. T'as compris qui c'était la guerrière? T'as compris qui c'était la guerrière? Voilà. Louise Rébeillard, alias Dominique, dans les milieux autorisés, est absolument intestable. Magnifique présence en tout cas. Did you get a kick out with of my boots? Est-ce que tu veux prendre mon pied là où je pense? La réponse est évidemment oui. Puisque avec une telle panoplie, car peut-être que Louise Rébeillard fait du 70A dans la vie de tous les jours, mais quand elle se transforme en Dominique le week-end et qu'elle enfile son cuir, c'est directement à 90E qu'elle arpente. Une technique ancestrale. Ah! Qu'il conserve bien à l'abri des regards indiscrets. L'augmentation mammaire. Ah! Du SM. Technique spéciale, hein, du Okutono SM. Là, ce Bones ne va pas faire long feu. Il a peut-être une arme, mais je suis beaucoup plus argumenté. Tiens, 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 tiens. Il y a des combos hein, dans ce jeu. Oh là là, il y a tellement des combos. Coup de loin, coup de près. Il est divin le jeu. Il est divin. Ah, c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué de toute ma soirée. Tiens, chop de loin. Chop à 400 km. Voilà, chop. Voilà, distance de chop. La plus grosse distance de chop de l'histoire. Hein.
Oh, couteau no boobs. Ouais, j'ai un peu la voix cassée, hein. Je m'excuse, hein. La Japan Expo, les 4 jours de Japan Expo m'ont tué. Sévère, chope, mais pas la gale, on te dit. Et respecte Louise Rébeillard. Oh, oh, saut gros pied. Oh là là, saut gros pied, chope direct, mais c'est horrible. Oh. En fait, faut pas être trop près. Louise Rébeillard, elle se joue à mi-distance avec avant gros point et ça chope direct. Oh, c'est divin. C'est divin. Oh là 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 là. Oh, le meilleur jeu de la Terre, je sais même pas si c'est un coup spécial, je crois que j'ai désactivé tous les coups spéciaux. Mais en fait j'ai rendu son attaque tellement puissante que... Oh regardez ça, c'est intestable. Qu'est-ce que tu veux tester ça? Oh le saut gros pied mon gars. Oh. C'est oufissime. C'est oufissime. C'est incroyable, le pire jeu de tous les temps et le meilleur jeu auquel j'ai joué cette soirée. Regardez la tronche de Bones. Ah, Louise Rébeillard, regarde, je joue ton perso. Alors, j'ai révélé des secrets sur ta vie en revanche, hein, non, Louise. Hein, je suis désolé, j'espère que tu m'en veux pas trop. Qu'est-ce que t'as dit comme... J'ai révélé ta technique pour, les week-ends, te transformer en Dominique, fan de SM, avec un 90D. Voilà. Parce que, évidemment, comme je l'ai dit, donc Louise Rébeillard, et bien entendu Louise Rébeillard, hein, un petit 70A discret au travail. Mais le week-end, elle devient Dominique. 90E, un fouet, du cuir et des arguments à ne plus quoi savoir en faire. Et elle est intestable, hein. Même Billy Lee ne peut rien faire. Hein. Regardez ça. Oh là là, mais Louise. Aïe 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 aïe. Oh, il peut faire tout ce qu'il veut, Billy, là. Il a aucune chance de battre. Hein. Mais tu viens plus aux soirées, Billy. Tu viens plus aux soirées. Aïe, oh, ça fait mal. Non, par contre, il est mort. Il est mort. Louise a chop. T'as un de ses fouets, Louise. Un de ses fouets. C'est incroyable. Oh, mais la taille de ces bzez. C'est violent. Ah, il y a bzez. Mr. MV arrive. Oui. On a parlé de bzez. Ça tient, Mr. MV. T'as vu? Regarde. La véritable vie cachée de Louise Rébeillard. Elle est là. Si tu croises un Dominique du 75 sur Mythique, tu sais tout de suite à quoi t'en tenir. Tu sais tout de suite à quoi t'en tenir. C'est la fameuse Dominique de Double Dragon 5 sur Super Famicom. Intestable, hein. Oh, mais tu peux venir avec ton épée là et tes gros muscles. Ça ne m'impressionne pas. Regarde, y a même pas un poil au torse. C'est pas un homme, ça. Voilà, va-t'en. Dégage. Voilà, c'est tout tué. Je pense qu'on peut s'arrêter là parce que... Tout le jeu va se terminer comme ça. Pause. Je peux pas faire pause. Juste pause sur cet écran magnifique. Magnifique pause de victoire. J'adore ce perso. Hein. C'est mon main depuis le 1. Je joue Dominique. J'espère qu'ils feront l'amiibo Dominique un jour. Parce que ça manque beaucoup. Bien. Et bien voilà. On a vu beaucoup de jeux. Hein, beaucoup de jeux de merde. Mais fallait les passer quand même dans le coffre à versus. Histoire qu'on passe à autre chose. Un jour. C'était Double Dragon 5. Ça clôturera ce coffre à versus. Merci à tous d'avoir suivi le coffre à versus. Tout de suite vous retrouvez sur la chaîne Retro 1D. Les nouveaux jeux finis à la piste avec Mister MV qui va continuer Zelda 2. Tu m'as vachement fait mal à l'épaule, Louise. Hein. J'ai... J'ai très très mal. Hein. J'attends avec impatience ton fouet. Et comment? Et évidemment, bah, si vous voulez du Monster Hunter, à partir de 19h, elle m'a volé mon Iggy. Laisse-moi mon Iggy. Si vous voulez du Monster Hunter sur la TV1, eh bien, il y a Chasse-moi si tu veux avec toute l'équipe au grand complet des chasseurs de monstres. Et je vous invite à aller faire un tour, bien entendu, un peu de Monster Hunter. Je vais aller eh bien, m'amuser aussi avec les chasseurs un petit moment avant de rentrer. Je vous retrouve demain pour une émission sauvage apparaît. Et pour peut-être d'autres petites surprises avec des streams sauvages qui risquent d'apparaître éventuellement demain. Car j'ai des choses à dire. Vous savez que la Comic-Con apparaît et arrive dans pas très très longtemps. Et du coup, il y aura pas mal de révélations juste là. Voilà, Iggy vous dit bye bye. Je vous dis au revoir. À demain, place à AMV. Et à Chasse-moi si tu peux. Des gros bisous à tous. Merci d'avoir suivi ce coffre à versus de ce vendredi. Désolé pour la voix cassée. On retourne sur les nouveaux jeux finis à la piste. Est-ce que tu penses terminer le jeu là, MV? C'est imminent. Très bien. Eh bien, bonne chance, Mister MV. C'est parti. D'après toi, MV, toi qui as l'œil, c'est combien ça? Moi j'ai dit 90E. C'est plus d'après toi?
Non, on est à plus de 90 plus, quand même. Non, plus de 90 ça déborde sur les côtés, faut être un petit peu réaliste. Ouais, 100, 100 E. Un 100 D. 100 D, 100 D. 100 D, 100 E. 100 E. 100 D. 100 D. 100 D, 100 D ou 100 E, ouais, c'est vrai que... On est en J-Cup alors. C'est ça. Quel connaisseur ce Mister MP. Allez, je vous embrasse. Bonne fin de soirée sur Gaming Live. Des bisous et à demain. Oh, t'es quoi. Oof.